pardon. J'avais pas démis mon micro. Comment vous allez, les gens? Et déjà, bonjour Wen Belge, bonjour Ayako, bonjour Mamadou, bonjour Kyrian, bonjour Lazared, et bonjour Jérémy, comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça va être compliqué ça. Salut Fat Quad. Alors, est-ce que... Bonsoir Maya, je vais voir mes employés, je te tiens au courant. Ah, attendez, est-ce que je suis en push to talk? Parce que c'est important quand même. Oui. Bah ça va bien, écoute. Hop. Bon. Hop. Nous avons du stock actuel. Allô? Oui, Maya? Oui? Oui, excuse-moi de te déranger. Du coup, oui, on a les sans-les si tu veux. Eh ben écoute, est-ce que tu préfères livrer ou on monte? Là, je peux te les livrer, il n'y a pas de problème. J'ai assez d'essence, donc c'est bon. Ça marche, ben, je suis au 4 cafés, je t'attends. Ok, ben vas-y. À tout de suite. Alors, je ne sais plus combien coûtait le lait. 250 les 100, donc ça fait 500$. Hop. Bah non, mais hier, je sais pas si t'étais là, mais c'était terrible. Terrible. Alors, on a dit 500$. Mais à chaque fois, ça me fait grimper sur le bureau. C'est dingue, hein? C'est dingue. Alors, retirer de l'argent, 500, et hop, voilà. Je suis en angoisse totale. Allez, il endort bébé, et là, ma clope électronique est dans le salon. J'ai envie de me pendre. Mon employé est pas là? Mais non. Il me reste à bouffer? Ben non, bien sûr que non. Bon, je vais appeler mon employé. Je dirais, Alessio, t'es où? Alors. Bon, j'ai pas le numéro de mon employé. Des barres. Bon, ben c'est la merde, hein. J'étais là, j'aimais rigoler. Et salut Winnie, comment tu vas? Moi aussi, j'aimais rigoler, hein. Marchand de salle, je me suis réveillée sur le live de Angelo. Ouais, c'est ça. Je remonte la pompe tout doucement. Aïe. Ça va aller, Winnie. Ouais, j'ai fait un petit raid à Angelo, du coup. Je me suis dit, c'était de bon augure. Attends. Il nous a rangé le frigo. T'étais là, toi? C'est quoi? Alessio? Ouais, dis-moi. Mais oui, tu m'as fait peur. J'ai volé une paire de lunettes que t'avais dans le bureau. Bah super, si t'as des problèmes de vue, tu veux pas qu'on aille chez l'ophtalmo? Non, c'est juste pour quand je cuisine. Il va falloir que tu me donnes ton numéro de téléphone, je l'ai pas. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, c'est incroyable, ouais. Bravo, je te félicite pas. Attends, je te vois ça. Bah je te félicite pas non plus. Ça marche. Voilà, je te partage le mien. Parfait. On a une livraison de lait qui arrive. Ah, moi j'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer, moi. Ah bon? Ouais. Bah moi aussi j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle encore? Je suis enceinte. Vas-y, hop. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai.
Non, J'allais non, dire non, t'as c'est quelqu'un dans ta vie et tout, que. je me dis, oh putain, ça te dit rien et tout. Non, oh Ok, non, non, pas du t'as tout, non, personne? avec le. Ah, Non, bah non, j'ai personne. il y a une petite là, tu sais, la petite dire là qui est passée là, aujourd'hui. Mila? Ouais, Mila, ouais. Elle est passée, elle voulait ton numéro, je crois. Ah, bah, Je lui tu dis, l'avais bah, pas. elle passera, je lui dis, elle dort dans le bureau là où elle fait les paperasses dans le bureau. On te demande, tu ne donnes jamais mon numéro. Bah, non, non, non. C'est pour ça que j'ai dû Ok. t'attendre. Non, non, la bonne Non, nouvelle, non. c'est que tu vas passer manager. J'ai pris ma décision, c'est bon. T'es Dès que je sûr, vois hein? Michel, ah oui, je suis certaine. Parce que Michel, il m'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, là, Ah, tu l'as vu, avant toi? que. Ah, bah, t'as de la chance, dis Ouais, donc. je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu il y a combien de temps? Parce qu'il y a eu une grosse tempête, là, juste avant. Du coup, j'ai dit, bon, attends, hein, je vais dormir dans la cuisine vite fait. Juste avant, il m'a dit, oh, je suis chaud ce soir et tout. Et c'est ce qu'il me dit. Putain, c'est quoi le code de la porte du frigo et tout? Je lui dis, bah, réfléchis, hein, c'est le même code que d'habitude, tu sais. Et il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Donc, quand il a ouvert la porte, mais il n'arrivait pas à prendre les choses dedans. Alors qu'elles sont très, très bien rangées, par mes soins. Ouais. Attends, je vais voir. Vas-y, vas-y. T'as intérêt que ce soit bien rangé, hein. T'inquiète pas, c'est très bien classé. Par ordre alphabétique, tout ça, tout si. Il y a même les maquis, là, je les ai mis de côté aussi, pour le keuf, là. Et les portes façantes, Ouais. du coup. Non, mais Donc, je pense j'attends de rien. il veut qu'on lui garde le Ouais, je temps pense qu'il va qu'il repasser ait ce soir ou demain. ouais, qu'il ait des petits creux, quoi. Tiens, Ah fais-moi oui, des du coup, moi, factures. j'ai plusieurs nouvelles à t'annoncer, moi. Attends, j'ai faim. Bah, mange, mange. Prends un truc à manger. Salut. Bienvenue à toi, Cricri de jus. Merci Winnie, c'est juste des bons becs. Je fais un peu mon gros lard, mais c'est juste des bons becs. Je vais en prendre un. Ouais, facture-moi une soupe au poulet, s'il te plaît. C'est combien déjà la soupe? C'est 12, Ou non? pas. Je sais pas, c'est. Je sais pas. Hein. Là, Salut je vais regarder. Kurumi. Même plus, c'est combien de soupe? Je crois que c'est 12, hein. Ouais, c'est pas cher. C'est quoi, je te la mets à 12 et puis au pire, tu. Attends, ça, je te mets la 12. Bouge Tu pas. veux me dire le prix? 10 T'as quoi de dollars. soupe? Ouah, t'as vu, j'ai des tarnaques en plus, t'as vu? Ouah, Ouais. je suis trop fort. Déjà pas beaucoup Là, de t'as vu, thunes. je fais. Eh, tu sais que moi, hein, ça y est, je suis à sec. Voyez. J'ai 30, je crois que j'ai 30 dollars sur mon compte. La grande classe, dis donc. Et ouais. Et ouais, du coup, j'ai plusieurs nouvelles, bonnes nouvelles à t'annoncer. Dont une mauvaise. Ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure, tu me le dis, Non, mais mais je t'écoute t'inquiète, pas. pas de Attends. soucis. Non, mais après, Oui, mais ça. j'ai faim. Faut que tu manges avant, ça. Prends le temps de manger déjà. Exactement. J'ai pas envie de... J'ai pas envie que la patronne tombe là. Hein. En plus, devant les clients, ça ferait pas top top. Ouais, ça va, je t'ai fait faire les premiers secours, là, je t'ai appris, donc maintenant, tu t'en sers. Hein. Ah bah ouais, de ouf, carrément. Hein. Ah. Facile. Tu miaules. C'est mon PLS. Bon, donne-moi tes nouvelles. Je commence par les bonnes ou la La mauvaise? mauvaise. La mauvaise? Oui. C'est qu'on va devoir se démerder, bah, se démêler pour toujours pêcher. Bonsoir. Mais du coup, ouais, bonsoir. Eh ben, bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Vous allez bien? Bienvenue. Oh, très Ça très va, ça bien. va. Le concessionnaire. Vous êtes le patron du coup? Vous êtes le patron de Non, là-bas ou un employé? je suis un employé. Ah, ok, parce que Mais je veux je suis l'employé ça. qui est là 24h 64, c'est là pour le moment. Oh, ok, parce que ça Ça va fait bien, quoi, mon 2 jours? Kurumi? 2 ou 3 jours où vous êtes passé déjà. Hein. Je vous avais jamais demandé. Du coup, vous avez revu des mochis ou pas? Ouais, on a des mochis. Alors, on ne les a pas rehus, on les a fait préparer nous-mêmes, de nos petites mains. Ah, ok. Oui, mais du coup, on les a eus. Je ne On a sais eu un pas mois, on réellement a eu une quand grosse est-ce qu'il commande et du arrive. coup, on a pu en repréparer du coup. Et Mais c'est la patronne qui les a fait. exactement. Il faudrait 6 mochis à la pomme et 6 000 chèques à la pomme. Ok, ça marche. 6-6. Je vais chercher ça. Vas-y. Par contre, Passez vous une avez belle de la. soirée, monsieur. Oh, bien, vous. Par contre, vous avez de la concu ce soir. Pourquoi? T'as le restaurant mexicain qu'ils ont bradé tout leur prix. Bon. Ah, mais c'est Vu que pour c'est ça qu'il n'y a personne. leur soirée d'inauguration, mais ils ont bradé tout leur prix. Bah, force à eux, hein.
Je sais pas. Ah, et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de concurrence. Si vous voulez manger chinois, vous n'avez pas trouvé ça chez le Mexicain. Oh, mais dans tous les seuls cas, vous vendez deux choses différentes. Exactement. Je savais même pas qu'il y avait un resto mexicain. C'est qui le Ouais, patron? là. Vous connaissez ou pas? Ouais, je vais d'avoir son numéro. S'appelle Joachim. Comment? Joachim. Je connais pas. Je vais vérifier au niveau de la facture vite fait. Vas-y. Non, c'est ça, c'est bon, c'est bien ça. Des fois, les modes, ça me va pas. Ah oui, il y a un Mexicain qui a ouvert, mais on s'en fiche, hein. C'est pas les mêmes choses qu'on vend, du coup. Nous, on s'en Donc, fiche, hein. non, pas du tout, Chinois plus is cher. better, mais Ils carrément, sont ouais. brutaux. Ah ouais? Et à Ouais. l'unité, il le vend combien le 10 burritos? dollars. 10 dollars. Ouais, mais après, 10 là, les dollars. Ouais, burritos, c'est des bah. tacos, quoi. Il y a des burritos, des tacos, des nachos. Après, il y en a au poulet, tu vois, il y a un peu différentes sortes. Ouais, mais c'est de la Mais vraie bouffe. il le vend combien là, 10 dollars? Mais c'est quoi, c'est moitié prix? Non, en fait, là, en gros, c'est 10 dollars à acheter, à offrir. Ouais. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà pour toi, mon ami. Je vérifie si t'as bien tout. Je t'ai mis ça dans le sac, Ouais. au cas où si tu pars. Oh bah, je pars, il faut que je vais bosser là, surtout que je vois s'il y a des clients. Ouais, je t'ai mis ça dans un petit sachet, tranquille. Merci à vous et bonne soirée à vous. Mais Bonne également, et soirée, bon au courage. revoir. Au revoir. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit pêcher. Bah, excuse-moi, tu sais, moi ça me dérange pas vu le talent que j'ai à la pêche. Ouais, mais non, mais du coup, ils vont changer un peu les cannes à pêche parce qu'elles tiennent pas trop, tu vois. Ok. Ouais, bonjour monsieur, bonsoir, pardon. Est-ce que ce serait possible de vous acheter à manger, s'il vous plaît? Bon, oui, on est là pour Oui. ça, hein. Eh Discuter, manger. ben, on va manger des voir. chats. Dégoûtant. Non, manger, on va rester sans... Je prends la route. Bah, dites-moi ce que vous voulez, hein. Qu'avez-vous, qu'est-ce que vous avez à manger? Je vous préférez que je vous dise la carte ou que la... Non, vous préférez regarder la carte ou que la dame vous dise la carte? Vous avez le choix. Oh bah, je vais regarder comme ça, je dérange pas la dame. Ouais, ça le dérange Oh, pas, elle ça est ne là me pour dérange ça. pas, hein. Bon bah alors, je veux bien que je vais bien connaître la carte alors, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Alors, en boisson, nous avons du Cookie cappuccino, dégueulasse. milkshake à la milkshake à la rose, à la rose. Ah, ça y est, tu m'as perturbé. Milkshake au Ouais, raisin, c'est milkshake à bon la ça. pomme. On a en repas, on a des yakitori au fromage, on a des soupes de poulet, du riz au poulet, des salmon rolls, des maki au thon, et en dessert, nous avons des mochi, pardon, aux pommes et les mochi au raisin. Je suis fatiguée, regarde, j'ai bugué, t'as vu? Je suis toute J'ai vu, cassée. j'ai vu. Ça va, La fatigue. c'était bien quand même. Non, je travaille Ouais, on trop, a monsieur, combattu je ça. travaille trop. Ah bon, bah faut embaucher comme ça, vous travaillez moins. Enfin, vous Mais êtes vous toujours savez que je employé, pêche mes patronne. propres poissons pour faire Patronne. mes maquis, hein. Ah bah c'est encore mieux, du coup, c'est dire que c'est encore meilleur. Ah bah c'est du Exactement. frais de chez frais, hein. Ah bah c'est vous qui pêchez, c'est sûr que ça doit être bien bien frais, hein. Ah bah je sais d'où ça vient. Là, les makis de ce soir, par exemple. Les mochis, pardon, pas les makis, les mochis, putain, mais je vais pas y arriver, hein. Ouais. Les salmon rolls, pardon, ils sont frais de cet après-midi. On a pêché les poissons Ouais, cet ça après-midi. va. Bon, alors j'aime bien quand c'est frais, je vais vous en prendre. Ah ouais, tranquille, Ma Kuromi. patronne a le Prendre plus de ça, alors. chance. Des saumons? Des salmon rolls? Ouais, je vais vous prendre ça. Et j'ai envie de goûter le truc au fromage, là. Je sais plus comment on dit. Yakitori. Yakitori poulet fromage? Oui, au fromage, s'il vous plaît. Vous voulez un chak? Le chat au fond, c'est Salmon de la roll, garniture, chak, mais pas de n'importe chak, quoi. s'il vous Vous plaît. Un peu les prix, vous connaissez un peu les prix n'importe de la carte quoi. ou pas du tout? Oula, non du tout. Les salmon rolls, ils sont à 12 dollars l'unité. Et le D'accord. yakitori, la bonne brochette de fromage poulet, Sur le elle maximum, est comment à tu vas? 15 dollars. Excuse-moi, j'ai la bouche pleine. Oh, bah, je vous en prends deux de chak, alors. C'est De parfait. tchac. Ok, ça marche. Patronne? Au pire, mets-lui. J'allais dire, mets sur tes tickets de caisse, mets sur tes tickets de caisse et je le sers et je lui mets la facture si tu veux. Ça marche. Il est trop gentil, lui. Mais sur tes tickets de caisse, moi, c'est mon salaire qui augmente en plus. Il a dit 2 sur mon rôle. Donc, Tout, 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 tout.
Il a pété un câble. Hein. Attends, je calcule le coût de 2 petites secondes. Tac. Il a dit quoi? Deux mochis aux pommes? C'est deux mochis pommes, c'est ça? Il me répond pas surtout. Du coup, tu m'as bien dit deux salmon rolls, c'est de yakitori poulet. Yakitori au poulet, pardon. Au fromage, au fromage. Ouais, ouais, c'est poulet. Oui, c'est normal, oui. Il y a du poulet et du fromage, en fait. Ah, d'accord. Ouais, une spécialité japonaise, je crois. Ça fait 54$. Tu lui mets la facture? Pardon? Tu lui mets la facture ou... Oui? Ah, vas-y, fais-lui la facture. Ok, ok. T'as mis sur ta fiche? Oui. Sur les bureaux? Ok, nickel. Quelle patronne d'exception. Alors, ça, 54$, on a dit. Tac. Et voilà pour vous. Hop. Je vous donne ça de suite. Bon. Merci. Alors, les deux bonnes brochettes. Bizarre ça. Hop. Et on part sur les... Chacun a demandé, ouais, tu m'étonnes. Bah, moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Hein. J'y pense, t'as des Chinois qui mangent les chats au calme. Hein. Moi, je suis pas, un peu... Les bonnes brochettes, là, les brochettes que vous avez prises. Ouais, ils ont du succès, les yakitori. Le riz au poulet, en vrai. Le riz au poulet, mais la soupe, personne n'en prend. Moi, j'en mange, la soupe. Hein. Ah bon? Ouais, elle est très bonne, ouais. J'ai pas goûté encore. Elle rassasie bien et tout, donc ouais, non... Non, on peut dire que enfin, c'est peut-être par rapport à les petits différents moments pour prendre une soupe. Ou... Bah moi, je la bois le soir, par exemple. Ouais, c'est ça, mais après, ouais, c'est sûr, c'est plus le soir. Et après, tout le monde n'apprécie pas forcément les petites soupes comme ça, même si c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Exactement. Moi, entre des services, j'ai été bouffé des nems, hein, donc... Ça change pas. Les bons nems au poulet. C'est bon les nems au poulet. Ouais, ça va. Nems au cochon aussi, c'est bon. Hello Fik, comment tu vas? Je suis italien, mais j'en mange pas personnellement. J'ai jamais goûté non plus. Ah d'accord. Ouais. Non, je mange pas de cochon, vrai. C'est trop bon le cochon. Le saucisson, les lardons, le jambon, miam 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 miam. Bah, des fois quand je les vois à la ferme... Oh, j'ai goûté un truc l'autre coup. C'est la rosette de Lyon. Oh bon. La rosette, oh, une soupe à l'oignon, c'est bon. Oh, toi, tu serais pas près des Ardennes ou un truc comme ça, près du Nord, dans le Nord, Jérémy Leff. Parce que ça, bientôt, la soupe à l'oignon, c'est typique du Nord. Je pense que la Nord, Nord-Est. Désolé, j'ai pas envie d'écrire, j'ai eu. Non, j'ai eu beaucoup écrire en cours. Non, elle adore trop ces choses. J'en ai marre des lettres. Exactement, Ayako, pose-toi tranquille, y a pas de soucis. Putain, tu es les Arabes qui peuvent pas manger de couche. Il y a des chats d'ici, c'est chats d'ici. Bah après, ça, moi j'ai pas de jugement à porter. Mais juste chat, moi je dis, le cochon c'est très bon. Mais moi, si j'adore. Vous mettez un coup au chat, elle vous vient direct. Hein. Ouais, vous mangez un coup de 36 dans les chicots. Non, ça va, c'est petite taille 36, ça va. Ouais, j'ai un petit pied, ouais. Bon, j'aimerais bien qu'on soit livré histoire de bouger. Je suis Normandie. Ah putain, Jérémy. Mais soupe à l'oignon, c'est après, traditionnel chez nous. À la fin d'un mariage, patronne. Soupe à l'oignon. Oui, j'en ai marre. Hier, on a fait toute la soirée ici, c'est bon. Oui, du coup, pour la mauvaise nouvelle, bah, c'est en gros qu'on va devoir se démerder un peu pour la pêche. Moi, je m'en fous, je sais pêcher. C'est toi la cadeau main gauche, là. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir acheter du poulet à l'unité. Il faudra monter tout dans le nord au niveau de la ferme, juste à côté, dans l'usine. Ça marche. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que on va acheter. J'ai, tu sais, mon ami Médé là, le chauffeur taxi. Oui. Il a réussi à m'avoir une. Il a 16 saumons, je crois, pêchés frais de tout à l'heure. Et du saumon et du thon aussi. Ok, et il veut nous vendre ça combien? C'est pour ça que j'ai dit que je t'attendais pour que on voit combien il le vend. Ah, mais après, c'est à lui déjà de nous faire une offre. Moi, je vais pas lui dire que je te l'achète tant, tu vois. Non, bah, c'est pour ça que, tu sais, quand il passera, on va lui demander. Ça marche, ok. Et donc, t'as vu Michel, mais tu sais s'il bosse ce soir ou pas? Bah, du coup, avant le gros coup de vent qu'il y a eu, là, je l'ai vu. Bienvenue dans mon auberge! Bah, je crois qu'il s'est envolé. Merci pour le follow, Yanis31140, pardon. Il a fini dans la mer. Ouais, il a fini dans la mer. À cause de la tempête? Bah, je pense, ouais.
Bah oui, parce que du coup, normalement, il devrait être là. Ah oui, tout à l'heure, il m'a dit, je suis à fond, je suis à fond. Vous avez fait trop de ventes et tout, moi, j'ai fait qu'une vente et tout ça, machin. Bah oui, non. Il me fait, ce soir, je suis chaud et tout. Il commence à ouvrir le frigo et dit, putain, tout est bloqué dans mon frigo. Ouais. Et du coup, bah là, il est plus là. Bah super. C'est pas mal, hein? Oh là Bonjour, là, c'est merci pour fatigant, ouais. la nourriture et bonne soirée à vous. Hein. Mais il n'y a pas de souci également, monsieur. Au revoir. Ouais, Au revoir. après le mariage, c'est soupe à l'oignon. C'est trop bon. Bon, Ah, il est j'espère que déjà. le Hailey va nous livrer vite, hein, vraiment, pas comme hier soir, on a attendu quasiment 1 heure. Elle t'a déjà dit, elle t'a dit qu'elle décollait ou pas encore? Non? Oui, elle m'a dit j'arrive. Ah bah nickel. Oui, enfin, elle m'a dit j'arrive, il y a Ah. 20 minutes. Ah oui. Ah Ah, ouais. c'est loin le nord pour elle, hein? Ouais, c'est très très loin, c'est le bout du monde. Eh, mais tu sais ce qu'on peut faire? Parce que Dis-moi. ça fait 2 jours qu'on attend. D'aller voir Oui. à la mairie, voir si le maire est bah, là, quoi. Parfait. On se Ah, casse. mais j'ai une mauvaise nouvelle, du coup. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? C'est pas ma voiture. Oh non, bah je m'en fous, tu t'arranges. Mais je vais appeler un taxi. Ah Je vais bah m'arranger tu le avec le payeras de chauffeur. ta poche. Ah bah non, t'as plus de thunes toi. Eh ben bravo. Mais non, mais tranquille, je vais m'arranger avec lui. Ouais, tu taillerais une. Enfin, bref. Mais non, je m'arrange avec lui. Ok. Je vais l'appeler, hein. Je vais voir avec lui. Ok. Aïe Si un des deux est dispo, hop, aïe 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 je vais aïe. appeler le premier. Bah on va aller à la mairie en attendant. J'ai envie de Allô? fumer. Ouais, Boris, comment va? Bah, toujours bien, et toi? Ça marche, gros, mes bisous. J'arrive, j'ai cherché ma clope électronique. Et tu sais pas par hasard, Ouais, d'ici combien de temps environ? T'as un petit temps? Cinq, 10 minutes? Aïe. C'est serré, hein? Ouais, parce qu'en fait, il faut que je passe, t'sais, à la mairie, là, voir le maire, s'il est là ou quoi, tu sais. Et donc, Et pardon tout le monde. J'ai un problème avec ma souris. Ouais. vas-y, ça marche. Ok, bah nickel, parfait comme ça. Ça marche, à tout de suite. Aïe. Aïe aïe Moi, je me suis aïe. arrangé avec lui, ça y est. Parce qu'il me dit dans 5-10 Ouais. minutes, je lui dis non, moi j'ai besoin de tout de suite. Je lui dis dépose-moi au parking Ouais, de la ville, au maintenant, pire, ouais. je vais chercher ma voiture en même temps. Ouais, tout de Mais suite, ouais. vous voulez causer, parce qu'il y a le restaurant mexicain. Je lui dis non. Je lui dis tu viens tout de suite. Hein. Ça y est. Je vais pas attendre. Hein. Il est taxi ou il est pas Bienvenue taxi? dans mon auberge! Ouais, il est taxi. Mais il aime bien causer. Merci, C'est un russe, hein. Dès Lunati qu'il a voulu Yanis, une pour vodka, ça ton y est, follow. il parle Bienvenue à encore toi. longtemps. Attends, putain, Ouais, c'est une j'ai un pipelette, numéro quoi. dépressif là. J'ai un numéro dépressif dans mon téléphone. Je l'appelais 2 fois, il était comme ça. Qui sort? Mais je sais plus, il s'appelle Keaton. Il est toujours dans le nord, je sais pas ce qu'il fout dans le nord à chaque fois lui. Connais pas la personne. Keaton Reese. Tu connais pas? Non, mais tu sais, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, moins je connais du monde, mieux je me porte. Ah bon? À part mes clients, ouais. Bon, en vrai, C'est pas moi, ça, c'est que. tous les Faire contacts que attention j'ai, à c'est qui tu soit les parles. clients. Bon, moi, tous les contacts que j'ai, c'est soit les clients qui sont cool, avec qui j'ai des bons contacts en vrai. Ouais. Et j'ai toi, du coup, maintenant. Du coup, comme t'es ma Ouais. patronne, c'est un peu normal. Et c'est tout. Ok.
Mais ah oui. Qu'est-ce qu'elle est belle, Maya. T'avais dit non pour Qu'est-ce le qu'elle est jolie. Pour les keufs là qui voulaient un contrat. Ouais, peut-être. Ouais, parce que je sais plus, c'est une Madame Brown, je crois. Elle m'a appelé du poste. Bah non, elle m'a appelé en pleine intervention. Enfin, c'est moi, Super. je l'ai rappelé. En fait, je l'ai rappelé, et du coup, elle était en Bon, pleine tu intervention, elle sais est ce que en train tu de parler. racontes, toi? Non, mais en fait, Pas elle clair m'a dans tes appelé, souvenirs, elle. hein? C'est moi, je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai D'accord. appelé. Et du coup, je lui ai dit qu'on la rappellerait quand ce serait bon, tu sais. Quand on pourrait faire des contrats Ok. avec un peu tous les gens qui veulent. Ah, bah, c'est peut-être le fameux fou. Il va peut-être récupérer sa marchandise. Ah, non, Peut-être. c'est pas le monsieur. Wesh, Starsky Hutch. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Pas très bien, vous? Ça va et vous? Très bien, très bien. Bon, on vient Oui, vous ça demander va. si tout se passe bien. On fait le tour un peu des entreprises pour voir s'il n'y Vous a avez pas pas de. de chat violent ici, ça va? Non, même Non, pas. non, 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 Parce non, que ils j'ai se remettent entendu là. un hurler. Ah, mais non, mais des Oui, ils fois, se ils se battent, bagarrent je un pense, peu. en dehors. Vous avez... J'ai Oh, des mon tailles, Dieu. au pire, je peux les tailler. Non, 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 Non. ça va T'es aller, pauvre malade! bête. Ah non, c'est Oui, c'est quoi cette entre violence mâles, ils se battent animale? pour les femelles. Ils se battent pour les femelles, je pense. Ah, oui, bah oui. Bah, c'est comme nous. Hein. Absolument Non, pas, je non, me ça bats va. pas pour les femelles. Oui, bah On non, n'est du coup, pas non. Il n'y a pas de espèce raison de se battre d'oïfien. pour une personne. Hein. Ouais. Exactement. Oh, il y a les minous, attendez, je vais les voir. Il y a des minous, il a dit? Oui. Il est un peu Ok. en retard des mentales, le Ouais, collègue, il y en ne a s'en qui fait traînent pas. dehors. Il y en a qui traînent un peu dehors. Ok, bah, c'est Ils qui traînent là, par deux, alors? trois. Et du coup, ils se tapent des fois. Ouais, mais de toute façon, des chats, ça se tape tout le temps. Hein. Bon, et Sinon. vous avez chassé des brigands ce soir? Ah, les brigands. Ils sont calmes, ils sont très calmes aujourd'hui. Ces derniers jours, ça a été très calme. Hein. Les boys, ils sont très mimi. Hein. Je te conseille de les voir. Merci, merci. Ah, c'est les vôtres? Ils s'appellent comment? Non, mais je les nourris. Ah Vous oui, vous avez les des noms nourrissez. prénoms ou pas pour vos chats? Alors, à l'intérieur, il y a Y a Grisou et Pupus. Pompon. Oui. Pupus. Bah oui, Grisou et Pompon, oui. Ok, ok, Pourquoi ça vous ok. pose un Pompon. problème, Grisou et Pompon? Grisou. Pompon. Non, je trouve ça pas très beau. Ouais, c'est ce que tu penses, 77. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, c'est carré, hein. Pas Vous comme vous appelez vous. comment, Deux mesdames secondes, et les gars, messieurs? faut que je coupe ma cam. Je m'appelle Maya. Qui est mon mec qui va passer juste derrière Bonjour, moi enchanté, moi c'est pour 04. venir 04, c'est chercher du 77 du chocolat. coup. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Il Qu'est-ce que parlait tu à fais qui, là? radio, là? Je pourrais parler à quelqu'un, j'ai pas entendu. Bon, si vous Bah ouais, avez des parce que soucis s'ils avec te des voient, ouais, tu gangsters, vois, ils vont beaucoup moins des rêver. malfaiteurs, Tout à fait, des des tout. gangueuses. Des Bah, si vous avez malfrats. des soucis, vous nous appelez et on est là pour les faire Oui, c'est dégarter. ça, tout à fait. On est rapide. Oui, y a aucun Non, il souci. me faut ça d'une tablette, quoi. Voilà. Allez, Pour l'instant, on n'a pas de 4 carrés. carrés. Mais oui. Ah, ouais, Ok, bah, y a pas de une souci. bonne soirée à vous et puis bon courage. Hein. Merci. Merci. Ouais, Bonne bien. soirée. Je viens. Boy. Je t'aime. Ah, ça te dérangerait juste de me Attends, faire il un a dit verre de quoi? Je sirop, viens, s'il moi. te plaît, mon Tout cœur? le monde se fout de ma gueule. Je sais pas qu'on arrive de heureux, quoi. Je sais pas. Je suis en train de me faire agresser par mon mec, les gars. Pour que tu fasses. Fais-moi un Mais t'as verre une de langue sirop, à s'il te plaît. papatier, hein. Bien sucré, j'adore ça. Comme ça qu'on mène les hommes à la Ah bah, baguette. en parlant de lui, il y a notre chauffeur. Super. Comment il va le Boris? Tu vas, camarade? Tu vas bien, camarade? Bonjour, Suivez madame. cette Bonjour. voiture, monsieur. Suivez cette voiture. Ah, quelle voiture, madame? Je sais pas, j'ai déjà vu ça dans un film et j'adore le faire quand je monte dans un Ah, taxi. d'accord. Ah, mais c'est dans un film, ça, c'est déjà vu. Oui. C'est dans quoi, je sais Bah, même j'ai plus pas en vrai. l'occasion de suivre des voitures en taxi, alors bon. Alors, où est-ce que je vous amène, messieurs, dames? À la Bah, attends, mairie? je te Au mets le gouvernement, GPS. Je te mets le monsieur, oui. GPS. D'accord. Oh là, il est fou. Merci, mon amour. Hein? Merci beaucoup. Bah, je vais chercher ma Oh mon voiture, Dieu. Maya, On en sait vrai. d'avoir une crise de diabète. Pour ça, on va au Je parking, là, sais je vais pas la ce que. chercher là-bas. Ouais, bah fais ce que tu veux. Et comme ça, après, on va au gouvernement. Oh, la perte de FPS, ça fait mal au huc. Vous êtes rudement calme? C'est clope électronique, justice, CE, non. Non, j'ai pas envie de dire CE, Kurumi. Ah sinon Monsieur tout va bien, descend allez sur. aéré, en dessous, en cours. Toujours bien, ben, les Ouais. clients Une ils heure de viennent nous diap. voir et ils nous disent oh, on est au restaurant mexicain, je sais pas quoi, je leur dis mais ils vendent de la malbouffe, c'est nul. Ah d'accord, oui, j'ai goûté, mais moins bon que C'est bon? Yakitori, hein. Bienvenue Ah quoi? dans mon auberge! Et merci C'est du follow. nourriture PNL de 12, bienvenue Chicanos à comme toi. Médé, c'est pour ça, lui il aime bien ça. C'est pas équilibré de manger mexicain, c'est du Ah je gras sur crois du gras que avec oui. un peu de fromage.
J'ai mangé plus, enfin, je crois que j'ai ingéré plus d'huile que de poulet, je crois. C'est sûr et certain. Oh, excusez-moi. Voilà, du coup, tu vas prendre ta voiture, Alessio. Ouais, parfait, ouais. D'accord. Ah, mais est-ce où il le reste mexicain, là? Restaurant. Oui, il est en ville, oui. Et il est où? C'est à peu près sur le GPS, là? Attends, parce que j'étais juste là-bas tout à l'heure, mais c'est Médé qui m'a emmené, alors je saurais pas te dire sur la carte, mais pas très loin, à l'hôpital, je crois. Ok, ok, bon, je pense que je passerai voir, faire un tour, tu sais, pour voir la concurrence. Oui, la concurrence, oui, je comprends. De toute façon, on la mange, la concurrence, j'ai envie de te dire. Bonjour, Ravière. Ça va et toi? Ça va, tu fais quoi? Là, je vais à la mairie et après, je vais faire un tour au resto mexicain, voir un petit peu la concurrence, ce qu'elle vend, etc. Vas-y. Tu vas à la mairie pourquoi? Pour notre contrat de mariage? Hein? Merci beaucoup. Hein? Tu m'as dit quoi? Je sais pas, ça a bugué, je crois, c'était sûr. Ah, mais je sais pas, ouais, j'ai pas compris, je suis désolé. Ouais. Bah, c'est le réseau, il est mauvais. Hein. Il est parti encore à la pêche. Ouais, pour voir si on peut avoir une subvention pour un véhicule. Ah, ok, vas-y, parfait. Bon, eh ben écoute, tu fais quoi, toi? Ok. Je fais un petit rendez-vous et après on se voit. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Bisous. J'ai l'impression que le chat ne fonctionne pas ici. Je sais pas si je suis le seul. Bah, je sais pas. Mettez un coucou dans le chat, s'il vous plaît. Juste pour savoir si ça fonctionne ou pas. Après, vous retournez à vos occupations, ça me dérange pas. Mais juste pour savoir si le chat bug ou pas, quoi. Mais je pense pas que le chat, il bug. Ah, oui, Bertie, je prends ma voiture. Coucou, salut. Non, non, il bug pas, regarde. J'ai pas de voiture. Là, attends, je regarde. Et coucou, H-L-O. Ah oui. Coucou à toi. Coucou, Fig. 14h, camarade. Bon, eh ben écoute, hein. Faudrait peut-être nettoyer ta voiture. Mais non, elle est propre en vrai. Ah ouais? Ah ouais, non, elle est crade. Bah, je sais pas. Non, elle est crade. Bah ouais, il y a plein de poussière sur le tapis, de l'herbe. C'est quoi ces bouteilles d'eau là? Ah, dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah oui, ça fonctionne, Maxime. C'est juste que les gens, ils sont pépères, ils sont posés. Allô? Oui, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. Dis-moi, tu as eu ta livraison ou pas? Non, bah non, pas encore. Du coup, en attendant, mais on est parti à la mairie parce que on attendait d'être livré, mais comme ça vient pas et qu'on veut voir le maire. Hein. Dans la voiture. Ok. Du coup, je suis arrivé au 4 Café, je suis avec Louis et Noah. Ok, d'accord. Bah écoute, en plus. Attends, je viens de recevoir un message. Merde, comment il s'appelle déjà? Alessio. Alessio, ouais. Ouais, dis-moi. Alessio, on doit aller au 4 Café, j'ai reçu un message de Hailey. Allo, 4 Café? Ouais. Ah mince, bah viens, on y va. Ok, bah ça marche, mais écoute, on se retrouvera peut-être là-bas alors. Ça marche à toutes. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Bienvenue dans mon auberge. Eh bah, décidément, il faut qu'on soit occupé pour que... Et merci du follow et HLO. Bah ouais, non mais c'est ça, hein. Fait une demi-heure qu'on attend et puis finalement... Je te jure. Bah c'est tout, bon, on fera ça mieux, après. Ouais. Oui, non mais je dis pas le contraire, tant mieux, mais bon, j'aimerais quand même pouvoir le rencontrer enfin, ce maire-là, parce qu'à un moment donné... Ouais, Maxime, ça se passe plutôt bien. Ça se passe vraiment plutôt bien, j'ai de la chance. Mets-toi devant, je pense qu'ils doivent être là. Ouais, je me mets devant. Ouais, bah c'est ça. Bah elle est trop bonne aussi. Eh, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Ça va bien. Ça va bien vous? Ça va bien, ça va bien. Ouais, ça va. C'est puis de rencontrer avec le père d'Oliver, non, et Dieu merci. Non, elle m'a dit, je fais une réparation de mon véhicule et j'arrive. Ah bah elle était pas loin, je crois, le garage il est pas loin. Bah ça dépend si c'est celui du nord ou du sud. Ça va, Maï? Ah oui. Ça va, Maï? Bah oui. Ça va et vous? Hein? Tu t'es pas changé? T'as vu ma voix, elle a changé, Maya. Mais c'est qui celui-là, là? Protège-moi, Alessio. Mais c'est Louis. Mais il m'approche pas comme ça, il me colle. Mais. Ouais, mais d'accord. Alessio. Oh putain. Ah non, moi. Mais. Elle a l'Alzheimer, c'est pour ça. Elle est un peu trop. Ah, c'est Louis, comment peut-être elle sera... Oh là là, tu vois. Mais je t'ai dit, Louis. Alzheimer. Mais vas-y, on se rappelle pas de moi. Genre, elle a connu les dinosaures, du coup, elle arrive pas à faire la différence entre. Ah bon? Ce qu'il était et ce qu'il est. Ouais, ouais. C'est ça. Des dinosaures? Elle pense que c'est un fossile. Ah puis, bon? Parce que c'est un fossile. Ah non. Oh oui. Putain, je fais atterrir sur la terre. Ah, Maya, on m'a dit des trucs bizarres, hein. Celle qui a tué les. Il ne faut pas les écouter. Et il faut pas les écouter. Putain, je suis fatigué. Je bégaye. On m'a dit que t'aimais bien fouetter les gens. Quoi? C'est vrai? Oh ah, là, c'est pas moi. Ah, le bâtard. Non, ça, c'est pas. Non, c'est pas vrai, non? On dit que t'avais tué un dinosaure. Oui, bref. Ça, c'est. T'es sûr que c'est petit. Du poulet, ça pas du dinosaure? Non, 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 c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, Alessio, j'ai 22 ans, donc je comprends pas pourquoi ils disent pas. Ils disent ça. Hein. Ah, moi non plus. De quoi, t'as quel âge? 22. Ah, bah. Bientôt la ménopause, ça. Oh putain. Par contre, va falloir soigner les chats, là. Non, non, ils se tapent entre eux, c'est les mâles. Oh ouais, c'est ça. Les chats, ils ont la rage. Hein. Mais non, c'est les mâles, ils se tapent entre eux pour les femelles. Quoi? Hein? Bah oui, c'est les animaux. C'est normal. Ça, hein. Oui, c'est comme si ça, c'est normal. Angelo, ah oui, c'est normal. Les chats, ils se battent entre eux. T'es bête ou quoi? T'as jamais vu des chats ou quoi? Wesh, oh oh. Le mâle, il pisse sur les murs et la femelle, ça l'intéressait. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah non, c'est sûr qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, non. Dieu m'en garde. D'élever des cochons? Hein? Laisse-y en dehors de cette histoire, déjà. Ouais. De une. God is good. De une. De deux. Mais tu vas arrêter de chanter, t'as pas de talent, toi. Tais-toi. Non, je dirais, elle était trop bien, la musique. On a écouté, on était à 160 avec la cacahuète, là. La cacahuète. Maya, viens voir. Viens voir, Maya. Il va te montrer sa pistoche. Maya. Bah justement, c'est pour ça que je veux pas le suivre, je veux pas voir son petit zizi. C'est en face, là. Mais je... T'es sérieuse là? Tu recommences? Tu recommences là avec ma cacahuète? Bah écoute, c'est toi qui as une petite cacahuète, c'est pas moi. Ouais, ce serait bizarre. Parce que c'est plus grand ça? Si t'en as une, plus. C'est même pas la tienne en plus. Non, c'est celle d'Alessio. Bah voilà. Allez, viens, je vais te montrer ma panto. Mais vas-y, l'autre il veut me montrer un pot de yaourt et il est fier, tu sais. Regarde, regarde. Après là, je vais mettre des grosses jantes, comme à New York. Grosses jantes, petit aileron, décapotable, vite tête. C'est atroce. Nez. T'as voulu dire c'est atroce. Ouais, oui, j'ai voulu dire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, 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 elle a fourché ta langue, ouais. Du coup, là, après, on va mettre... Elle va arracher le bitume, carrément. Ah oui, bah j'imagine bien. Salut Romain, comment tu vas? Je t'emmènerai en balade. Oh, tu sais, non. Oh non, non, de toute façon, tu sais. Non, 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 vraiment. Ça fait des si on pouvait éviter de me voir dans ce genre de voiture, ça m'arrange vraiment. Comment ça, tu juges trop. Oh, t'as fait comment elle juge? Non, mais c'est quoi? C'est une voiture sans permis, ça, non? Elle prend 160, ma voiture sans permis. Ah, ça, c'est la voiture de Paradise. D'accord. Mais c'est le paradise, ça, c'est le paradise. Je reconnais, c'est le paradise, c'est le paradise. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Bah, très bien, et toi? Enfin, on voit la différence entre une belle boîte de nuit et un petit café, tu vois. Comment? Ouais, c'est comme ça qu'elle juge. En fait, elle a jugé pareil pour la pente. Moi, ça va, je suis fatiguée. Mais en fait, une boîte de nuit et un petit café, c'est deux commerces différents, donc tu peux pas les comparer. Ouais, et pourquoi tu compares ma Ferrari, là? Ben oui, ben Panto. Ferrari, il a dit. Double pied, une différence, tu vois. J'ai dû rater un truc. Oui, non, mais on parle de ma Ferrari, c'est une histoire.
Ouais, la Ferrari. On parle de cette Ferrari là. Ah, oui, non, non, oui, non, oui. Pas ça, pas ça. Non, celle là-bas, là-bas. Non, non, la Ferrari là-bas. Eh ben, c'est très bien. Ça suffit. Hein. Ouais. Donc, on peut mettre. Je pense qu'ils ont mis un poney comme logo dessus. Ils ont pas mis un cheval. Ouais, une voiture, c'est une voiture tant qu'il peut se déplacer. Petit poney. Petit poney. Oh, bordel. Je vais éviter de la mettre dans le pré. Il me fatigue. Vous vouliez manger un truc ou boire un truc, les gars? Ah, moi, je voulais aller voir les petits chats, je les ai pas vus hier. Moi, je voulais voir les petits chats aussi, ils me manquent. Allez, on va aller à l'intérieur, on y va, on va y aller. On va venir aller voir les chats s'ils sont là. Allez, on a dehors, ils se tapent entre eux. Si vous avez encore des trucs en stock? Ouais, on est avec des brettes, t'as quoi? Vas-y, bah, on y va. J'ai besoin de faire de la scène là. C'est chiant d'être tout le temps au 4 cafés. Oh ouais. Bah, j'ai deux employés. Hein. Les petits minous, vous êtes où? Ah oui. Bah ouais. Toujours avec moi, hein. Le barman devant. J'ai un souci, j'ai de la sécurité contre moi. Ah bah tu vois, il est là, il se cache, si, il se cache, il est là. Tu le vois pas? Il est là, regarde. Oh bah il est passé de l'autre côté. Il a fait le tour. Il est là. Oh, oh bah, dommage. Mais il est où? Ah mais il s'est bloqué à la table, le con. Ah mais je te jure, ils sont perdus depuis qu'ils sont revenus. Bonsoir. Et qu'ils reprennent leur marque. Bah c'est compliqué un peu pour le voyage, tout ça. Ouais. Ah oui, du coup, hier, t'es passé, mais j'étais pas là, hein, j'étais plus là. Je suis revenu entre deux. Ouais. Toc, toc, toc. Eh, au fait, Maya, j'ai pas ton numéro. Ah, moi non plus. C'est dommage, ça. Ah ouais. Et madame la pêcheuse qui a du talent, moi j'ai vraiment okay. Votre numéro. Ouais, mais je retiens. Ouais. Ouais. À Liberty, ouais, ça m'a donné, mais là non, ça m'oublie. Mais là pas, ça va. Ah oui, ses amis, c'est ça? Putain. Je pensais pas comme ça. C'est une très bonne pêcheuse, crois-moi. C'est cool. Pêche pas que du thon. Il est jaloux, il est jaloux. Elle pêche avec une canne à pêche, c'est ça? J'ai reçu. Moi aussi. Mais j'ai reçu celui de Noah. Ah ouais, tu... Non, moi, non. Okay. Non, toujours pas, non. Vas-y, je me parle même plus. Hein. Elle a dit non, tu voulais. J'ai envoyé un message à Michel, au fait. Plus jamais je vais au 4 cafés, c'est bon, c'est mort. Ouais, du coup, ça donne quoi? Pourquoi? À la Liberty, j'étais le client numéro 1, là, tu peux dire stop. Non, le client numéro 1, c'était pas toi, non. C'était qui? C'était Antoine. Mais il est là, Antoine? Non, je crois pas. Bah moi, non, c'est bon juste... Bon, oui, mais ça fini, restera mon... jaloux comme ça. Ça restera mon client préféré à vie. Ferme, là. Préféré en plus voilà. Mais bien sûr préféré, Antoine, c'était mon chouchou. Il était trop mignon, il était tous les soirs là, il prenait merci, toujours son petit c'est café. Gentil, c'est gentil, merci. Je vais mettre une étoile sur c'est pas de toi que je parle. Oh, je rigole, oh, ça va. On peut plus faire de blagues. Voilà, c'est ça, on peut plus faire de blagues. Non, mais Antoine, ouais, si. C'est une des personnes que je souhaiterais revoir ici, on va dire. Mais bon. Los Santos. Après, ouais. T'as de la chance, t'as fait jours, des belles connaissances ici. Là, tous les jours, j'étais au 4 cafés, j'étais le seul. Putain, que je suis con. Oh, c'est bon, tu l'as énervé, là, on en a pour un moment. Ouais, c'est vexé, c'est vexé. C'est votre ami ça. Ah oui, c'est vexé, c'est vexé. Ah ouais, voilà, on a pour un il moment. Il va prendre l'heure, regarde, il va prendre l'heure, t'inquiète, ça va aller. Non, mais c'était un petit mécano, il était là avec son pote Quentin, là. Les deux, je les aimais bien, ils étaient rigolos, et je te dis, Antoine était tout le temps là. Bon, du coup, j'ai envoyé un message à Michel, et j'ai dit, Michel, j'aimerais m'entretenir avec toi pour, à propos de ton travail et de tes résultats. Ouais, il t'a répondu ou pas? Non, toujours pas. Bah ouais, bah non, mais excuse-moi, mais 1,40$ de bénéfice, enfin, 1,40$... 14$ de bénéfice. Tout à l'heure, il m'a dit la vente qu'il a fait. Il m'a dit, j'ai vendu 1000 chèques aux pommes, 14$. Ah, super. Il m'a dit, j'ai vendu que ça. Ah ouais, d'accord. On a fait 1000 fois plus, quasiment, de bénéfices. Bah, carrément, 1000 fois plus, du coup. Ouais, bah oui. Bah là, je vais vous en faire plus, parce que je vais vous prendre quelque chose. Pour les mais trois. Là, ça se fait carrément pour ce qu'il a fait. De quoi? Ouais, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Là, déjà pour moi, c'est qu'il t'ignore, là. Il répond même pas à ton message. Mais il est peut-être pas en ville. Hein. Ah, après, remarque, ouais, peut-être aussi. Bah, tout à l'heure, je l'ai vu, bah, comme je t'ai dit, je l'ai croisé tout à l'heure, là.
Et il m'a dit, ouais, je suis chaud, je vais essayer d'appeler. Je bosse, je vais appeler plein d'amis et tout. Et boum. Après la grosse tempête qu'il y a eu là. Ah, mais si, il est en ville. Il était pas là. Oui, mais est-ce que tu trouves normal que bah, Mania m'avait expliqué, elle avait une galère et a préféré aller aider ses amis. Attendez, c'est lui. Excusez-moi, je dois passer un coup de fil. Oui, Michel. Oui, Mania, comment tu vas? On parle du loup. Ça va et toi? Ça va très bien. Du coup, les gars, je vais passer derrière. Je suis dans le nord parce que je, oui, je fais la révision de ma voiture qui a eu un problème. D'accord. Parce que voilà, là, j'aurais besoin de te parler de tes chiffres. Hein. Ça va pas du tout. Il hein. y a un gros problème, donc j'aimerais le voir au plus vite. La porte. D'accord, très bien. Mais écoute, je fais tout ça et je viens au plus vite. Alors, d'accord, très bien. Ça marche, merci. C'est toi ? De rien. Ah, tu la connais par cœur, la carte ? Ouais. Oh ouais. Non, moi, j'ai juste mon habitude. Je prends juste mais le check à la porte. Comment on fait pour raccrocher le téléphone ? Non, mais aujourd'hui, c'est la tournée. Je crois que le monde, c'est pas toi qui paye. Voilà. J'ai fait toutes les entreprises. J'ai mal à l'épaule. Je trouve super bien placé le 4 café. Ouais, il est plutôt bien placé. Il est vraiment en ville. Après, j'aurais bien aimé qu'il soit en hypercentre. Mais bon, écoute, non, c'est très bien. Là, il y a un parking et tout. Ouais. Tu veux quoi? Alors, du coup, vous avez resservé des poissons? Ouais, ben non, on les a cuisinés. Vous avez des mochis? On les a cuisinés. Il y a juste les anchois et la truite qu'on peut pas cuisiner, quoi. Moi, je sais quoi, moi, je sais pas, mes raisins. Ah, c'est mal fait, ça. Ah, les raisins. Ben ouais, c'est j'aimerais bien trouver un poissonnier à qui les redonner, quoi. Ben, Michael, il dit qu'avant, il y avait un poissonnier qui achetait, mais il est plus en ville. Ah, ben voilà, ben c'est ça. Alors, on l'a cherché, si, mais... Si, il y en a, il y en a. Ouais, une franchise du 4 Café, tu sais, au nord, mais bon, après, c'est pas trop... c'est pas raccord du tout avec l'endroit, donc... Toi, je vais pas ouvrir un deuxième 4 café dans le sud, ça sert à rien. Ouais, mais l'idée aurait été bien, ouais. Pour le patron, il veut quoi le patron? Alors, prendre un yakitori et poulet. Ok. Et un milkshake raisin. Thomas, tu veux quoi? Un yakitori. Thomas, tu veux quoi? Il va yakitori, ok. Il m'a dit tomate. Tomate? Tomate, tu non, veux quoi? Non, pas tomate. Non, pas tomate. C'est bon, tomate. Tomate. Ah bon, ouais, tomate. Ah, j'avoue, on va t'appeler tomate. Oh, ok. Bon, c'est bon, les gars, j'ai pris la commande. Je mets la facture, ok? Ok. Ah, bon, le patron, du coup, nickel. Ah là, ça se décale. Hein. Ah, là, tu vois, tu prends... Il y avait trop de... Il n'y avait pas assez de distance entre nous. Oui, à la fin de la semaine. J'ai mal à l'épaule. Je crois que j'ai trop porté de caisse. Ou fragile. Abusé avec la canne à pêche, madame la professionnelle. Ouais, c'est possible, ouais, parce que comme j'ai du talent. Des fois, ça, des soucis, non, ouais, c'est vrai, on peut l'avouer, t'as du talent. Ça, ouais, c'est bon, la pilule est passée. Je te préviens, tiens. Bah oui. Hein. Bon. Ah oui, ça y est, tu acceptes. Hein. Ouais, c'est bon. Tu acceptes mon talent. Je suis nul. Non, je dis pas que t'es nul. Quoi? Tu n'es juste pas doué. Merci SCH. Ouais, ça viendra avec le temps. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas y arriver. Hein. Y a pas à s'inquiéter. Hein. Oui, bah oui. Tu peux le faire. C'est vrai, ça ? Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où, Grisou ? Et salut, Yaya96, comment tu vas ? Grisou, bienvenue à toi. Oui, Grisou. C'est lequel ? C'est un rayé gris. Attends, il est où? Bisous. Bienvenue dans mon auberge. Merci du follow, Yaya. Grisou? Où est Grisou? Il y a Pompon juste là, mais Grisou, il a disparu. Voilà. J'ai mangé. Oh, t'es sérieux? T'as vraiment mangé le chat? Rigole. J'ai chuchoté. Goût de poulet là, je sens le yakitori d'ici. Ça fait 1500, ils sont méchants. Le patron, il veut quoi du coup? Milkshake. Bah, j'ai perdu Pompon ou quoi? Il me reste plus qu'un chat. Un bon yakitori là. Donc, j'ai perdu Grisou. Oh, un bon yakitori ici. Non, faut pas de brochettes de chat. Les petits bêtes, laissez-les. Il s'est dragué.
Il manque un chat, Hugo. Je l'ai retrouvé. Merci. Non, je vais pas retrouver pour... mon chat. Hein? Ah, il est parti. C'est un gris. Oui, c'est un gris. Elias, tout à l'heure, il y avait un gris sur le parking. Le milkshake pas, mais. Mais il n'y a pas qu'un chat gris. Ah, bah, ça, toujours le pas, petit. Il y en a dehors. Ouais, ça va. J'ai un petit peu mal à l'épaule. Je suis fatigué, mais sinon, ça va. Tranquille. Voilà pour toi. Bienvenue dans mon auberge. Et merci du follow check 1712. Bienvenue à toi. Ah, bienvenue. Voilà pour toi, mec. Ah, impeccable. Impeccable. Ils sont bien en plus, ils sont bien cuits là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai fait quoi l'épaule? Je sais pas, rien de particulier, mais c'est, je pense que c'est à force de porter petit, toujours du même bras. Angelo, je vais sortir à la je me suis fait mal. Ah, et je suis peut-être âgé. Peut-être. On peut s'installer sur les couches. Allez-y. C'est quoi ça? De quoi? Oui. Tu vois pas la fumée là? Si, je la vois très très bien même. C'est quoi ça? On fume pas à l'intérieur. On ne fume pas à l'intérieur. Oh, alors attends. Ah oui, ils sont vite barrés. Très bien. Hein. Ils ont raison d'avoir peur. Maya? Oui? T'as rien à faire là? J'attends Michel, j'attends une livraison, donc non, pour l'instant j'ai rien à faire. Ça te dit qu'on se tape là, discute un peu là-bas au feu? Au feu? Bah devant la cheminée, ouais, c'est parce que j'ai mal parlé. Vous brûlez, c'est ça? Oui, mais si tu veux. Noah, t'es rudement énervé là ce soir, Noah? Non, Noah, il est vulgaire. Je suis pas vulgaire. Je l'ai jamais été. Pourquoi t'es énervé comme ça? Je taquine un peu les gens, c'est tout. Mais bon, on me prend pour un abruti. Ah. Il est parti. Mais c'est quoi cette fumée, là? Qui fume? Qui fume à l'intérieur? On ne fume pas à l'intérieur, bordel de merde. Soit vous sortez... C'est pas moi. C'est qui fume alors là? Ça vient d'ici, hein. Ah non, c'est le monsieur en blanc, là. Oh, ah, le monsieur en blanc. Tu sors. Quoi? J'ai dit, tu sors. Dehors. Tu fumes dehors. Lui, j'ai pas fumé. Ah, ouais, d'accord. Bah, nous, on peut le fumer. C'est pas la même chose, hein. Lui, vapoter, c'est pas la même chose. Mais même la vapoteuse, elle est interdite. Ah, tant mieux. Bonjour. Ah, mais... Bonjour. Je te le dis. C'est dur. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh non, je voulais juste qu'on parle un peu en attendant que Michel il arrive, parce que je m'ennuie. Ah, mais parce que attends, moi faut que je les surveille là, ça fume en cachette, j'aime pas trop ça. Bah vas-y, je te laisse travailler. Tu es vieille ou pas, Maya? Non, t'inquiète, je sais me faire respecter, hein, tu sais, je suis pas... Allez, vas-y, on te regarde. Allez, je confirme, c'est la boss. Ah non, c'est moi, il est sorti. Je ne suis pas patron, d'accord. Je suis pas patron. Mais je crois que Noé, il fait la gueule, là, j'aime pas ça. Bah écoute, il peut faire la tête. Bonjour, gueulez-vous. Bonjour, madame la vigneronne. Bonjour. Ah, comment ça va? C'est vous l'ivrogne. Non, non, tu peux pas prendre la carte là, j'avais posté tout à l'heure là. J'ai une petite, déjà, j'ai une petite surprise pour vous. Tu veux, dis-moi. Ah, génial, ouais, dites-moi. C'est moi. On va s'écarter un peu. Ouais. Allô? Dites-moi. Alors, le raisin a descendu le prix? Non. Si. On vous a mis des matériaux plus fiables? Ouais. Attends, il est... Ah ouais, j'avais pas vu, désolé. D'accord, ok, ça marche. Bah écoutez, vous me dites votre prix. Ah ouais, t'es content. $1 la grappe? Oui. Oh là là, bah vous allez avoir des grosses commandes, vous le savez. Donc maintenant, l'alcool, c'est $15.
Ok. Après, nous, on n'a pas la licence de vente d'alcool, donc on peut pas vendre de l'alcool, mais ouais, pas mal. Par contre, on a juste le... Je vais vous donner les trucs, si jamais vous voulez. Juste vous ça marche. Mais nous, non, c'est moi le patron aujourd'hui. J'étais pas folle, il y avait bien de la fumée à l'intérieur. Allez. Alors, on a le jus de raisin, il est à 16. D'accord. Il est à 17, je sais pas, ouais, 17. Le barreau, il est à 15. Le rosé, il est à 15,25. D'accord. Et le champagne, il est à 15,50. D'accord. Oh, et pas mal. Le champagne, on en prendra peut-être pour les soirées un peu plus chicos. Et puis les grappes de raisin, les grappes de raisin, maintenant, on va vous les commander par 250, voire 300. Hein. C'est vrai que c'est plus rentable pour vous maintenant. C'est surtout que, comme on en utilise énormément en fait pour les milkshakes, c'est vrai que quand on en commande par 100, je peux vous assurer que ça va très vite. Entre les mochis et les milkshakes, on peut en faire une trentaine et une quarantaine de chaque. Quoi. Donc c'est peu, quasiment en une soirée, on les fait partir. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir réduire justement le prix de vente des milkshakes. Parce que ce sera plus accessible aux gens, parce que les gens ont tendance à partir sur les pommes. Exactement. Non, mais ça, c'est cool. C'est très, très cool. Et là, vous en avez sur vous, du coup? Ouais. Maya, tu pourrais... Vous en avez combien? T'entends d'ici? Là, actuellement, j'en ai 100. Eh, je suis chez moi. J'en ai 100. Ok, ça marche. Bah, écoutez, je vais chercher un carton, j'arrive. Ok, ça marche. Ça, c'est trop cool que ce soit passé à 1$. Parce que là, vous savez même pas comment ça nous arrange. C'était une telle galère. Hein. Alors... C'était une telle galère. Hein. De les payer 4,25, pardon, j'ai eu un bug. On arrive. Oui, on arrive. Et voilà. Je suis juste à côté là. Hop, attention, c'est lourd. Je suis au café là. Hop. Et attention, je suis café, c'est lourd. Café. Voilà. Non, je te trompe pas. Tu vois, en fait, quand j'arrive ma queue... Bah, parfait. Laissez-moi juste les mettre dans le frigo et je vous paye tout de suite. Ça, ouais, c'est ouais, trop ouais, bien. J'attache et j'enlève l'élastique. Allez, hop, recule. Parfait. Peut-être c'est qu'une amie. Vous parlez de qui? Ah ouais, j'avoue, peut-être c'est une amie. Ouais, je crois que j'ai entendu, non, je te trompe pas, alors qu'il est avec une autre meuf. Hein. Bah ouais. Ah j'ai ouais, c'est comme ça. Le mec, il est... Alors, du coup, combien je vous dois, dites-moi? Non, c'est une femme. Vous voulez pas appliquer au prix d'avant plutôt? Parce que bon, je vous les ai commandés, ils étaient à 4,25. Non, vous inquiétez pas. Et ça marche, bon bah je vous donne ça tout de suite. Par contre, je sais pas ce qu'ils font derrière, mais ils sont rentrés à trop dans les fenêtres. Eh, c'est pas un bésodrome ici, hein. Oh, cool. Ah, c'est devenu une connasse maintenant. Non, c'est moi le patron. Voilà pour vous. Nickel. Quand on veut pas, non, c'est tout, on n'insiste pas. Ouais, on a de sacrés énergumènes ici, hein. Ouais, je vois ça. Ouais, ils sont énervés là ce soir. Du coup, moi ça me va parce que clairement, je pas. Toi, frère. Parce que. Non, ça se voit aussi solide d'un coup. Ouais, non, mais c'est cool, au moins, vous allez pouvoir produire plus. Et puis surtout, tu peux enlever ça de ta bouche. Hein. Mais merci pour le follow, Rediff Twitch. Ah non, c'est ça. C'est plus un cure-dent, c'est une branche, là, chérie. Mais c'est pris à la source. Ça parle de cure-dent. Ah ouais, je vois ça, ouais. Oui. C'est le cure-dent brut. Ah ouais, c'est brut, ouais. Ah ouais, tu l'as pas fini, ouais, c'est sûr. Ah non, mais du coup, la prochaine commande, attendez-vous à avoir une grosse commande, quoi. Au max 450. Ouais, au max 450. Ah ouais. Hein. Mais on a besoin de beaucoup de raisins, nous. Hein. Ouais, elle est grande comparée à toi.
Elle porte des talons, je crois. Ouais, elle a un mec, Maya. Non, elle a pas de mec, elle reste célibataire. Oh, elle est déçue. Elle est déçue. Hein ? 20 ans. Ah, 20 ans, ok. Elle est plus jeune que moi. Ça va. Et tu allumes ton cigare noir, je te le fais avaler. Ça se voit quand même qu'elle est plus jeune que toi. Oh, allez, m'énerve, allez. Regarde l'homme. Ça va, mais... Bonsoir. Ça va, mais Thomas. Ouais, ça va. Ah. Salut Maya, pardon, excuse-moi. Ça va? Oh, non, ça va pas trop, mais ça va, t'inquiète. Je viens livrer le lait. Super, tu me suis? Oui, bien sûr. Oula. Suis-moi, s'il te plaît. Pardon. Salut tout le monde. Bonjour, ça va? Bonsoir. J'ai toutes les livraisons qui arrivent. Super. C'est cool. Bah, si j'ai le temps d'y passer, j'y passe, mais j'ai encore des trucs à faire encore à côté là. Alors, vas-y, je vais te laisser me les donner. Oui. Comment tu vas, Maya? Moi, ça va, écoute. Le commerce marche bien, donc je suis assez contente. Oh, génial. Je m'attendais pas à faire autant de bénéfices, donc c'est dans mon auberge. C'est bien. Mon collègue, il te donne le reste? Non, ok. Oui, ça y est, c'est Lexi qui est venue me livrer. Alors, hop. Comment? Ah, visiblement. Oui, c'est. Pardon. Déjà trop dans les bras. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Parfait. Du coup, c'était allô, acheter l'autre offert, c'est voilà. Ça? Voilà. D'accord, donc ça fait. Attends, je vais regarder. Normalement, le lot, c'est 250, il me semble. Bah, vas-y, hein, je te fais confiance. Je te fais une facture? Non, je vais te les donner en liquide. Bah vas-y. Du coup, quand on voudra peut-être par la suite, je voudrais voir si tu nous as écouté là. Bah, il y a. Voilà pour toi. Merci. Mais je t'en prie. Dès que j'ai le temps, il faut que je revienne comme j'ai dit. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi, je suis là régulièrement. Ah bon? Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Elle est malade? Je sais pas, on a eu deux accidents à cause de ces malaises. Là, j'ai pris le volant et là, elle est dans la voiture, elle se repose. Moi, je sais pas si c'est plus sécurisant pour eux que ce soit toi qui conduis, mais bon, après. Oh, bah, j'ai bien conduit, hein. Tu t'appelles comment? Taylor. Ah, j'ai bien conduit. Ah, non, c'est vrai qu'on a d'accident, on n'a pas eu de problème. Voilà. Bah, pour une fois, écoute, oui, tant mieux. J'ai l'impression que je m'améliore ici. Bah, ouais, les routes sont peut-être plus praticables. Bah, moi non plus, mais j'ai pas de voiture, donc c'est pas bien grave. Ah, ouh, c'est pas grave. Oui, bah après, ça fait les cuisses, hein. Ouais, exactement, j'ai un petit cul d'enfer grâce à ça. Ouais, j'ai remarqué. Ouais, mais c'est que pour moi, tu vois, maintenant, les mecs, c'est bon, fini. Ah ouais? Oh ouais, c'est bon. Hein. Bah, ah, c'est passé quoi? Bah, je te signale quand même que l'autre te, j'ai plus de nouvelles, hein. De qui? Franck. Cool. Merci. Oh putain, bah oui, ouais. Plus du tout de nouvelles, hein. Donc écoute. Bah écoute, moi j'en ai pas non plus. Oui, bah j'espère juste qu'il lui est rien arrivé, tu vois, mais. Oui, c'est sûr. Un message, ça coûte rien, quoi. Mais... Non, bien sûr que non. Ouais, il y a quoi, il serait temps. Ça va se passer, puis... Bah ouais, bah on se tient au jus pour se voir, se boire un verre. Vas-y. Ça marche? Ouais. Bon, bah je te laisse aller prendre soin de ta sœur. Ouais, je te donne des nouvelles pour elle. Ça marche, des bisous. Allez. Bisous à elle. Bisous, ciao. À plus tard. Bonne soirée. Tyler. Bonne soirée. Michel se met en route, hein. Bah, il était temps. Ils sortent tous leur téléphone là et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, ils visent vers toi avec le téléphone. Et on se prend en selfie. T'apprendras que je me prenais en selfie. Ah oui, toi aussi. Tu veux venir ou pas? Dis donc, ça bégaye. Non, du tout, allons discuter. Il y a pas de soucis. Ça y est, ça y est. Alors, résiste. On n'est pas encore. Autour, j'ai une petite tasse de thé. Venez, Michael, c'est que je vous parle en tête à tête. Ah, oui. Ok, elle est dans la voiture, elle. Une bonne soirée. Mais je l'ai même pas. Ouais, bonne soirée. Il est en forme, dis donc. Ah bah du coup, c'est Noah, cool. Là. Le prix du raisin a baissé, apparemment.
il est à 1$ la grappe. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, la patronne. Donc, il va falloir remodifier la carte. Fatiguant. Et on va pouvoir baisser... Ouais. Mais il va falloir baisser le... Oui, on va faire bon, allez, ça. Bonne soirée. Et bonne soirée. Attends, il faut que je remette 150$ du coup dans la caisse. J'arrive. Allez. Comme ça, je mets ça dans la caisse. Ah, mais j'attends Michel aussi. Je mets ça dans la caisse et... 90. Ouais. Non, pas le coffre. Mets ça sur le compte. Eh ben écoutez, j'en ai eu pour largement moins. Je suis contente. Dépôt de l'argent, donc 150. Donc il faut que je note. Excusez-moi, ça va prendre quelques secondes. Il faut juste que je note mes commandes. Donc, j'aurais dû en avoir pour 925 à la base. Hein. Et j'en ai eu pour donc le raisin, le vigneron. 100$. J'ai pas compris ton histoire parce que moi, j'étais pas de ton ancien deal. Et la ferme, le lait, donc moi, j'ai pas compris, on en a eu pour 250. Et on a eu 100 lait. Voilà. Et c'est nickel. C'est bon pour les affaires. C'est bon pour les affaires. Voilà. Yes. Ouais. Voilà. Toc, c'est bon. Parfait. Alessio devrait être manager, à mon avis. Eh ben, c'est prévu. C'est prévu. Au vu de... Ayako, go, je passe manager. C'est prévu au vu de ses performances de vente et de son temps de présence qui est incroyable. Ah, ben voilà, ben ça tombe bien. Attends, on va aller dans mon bureau ? Ouais, y'a pas de problème. Bureau en bas ou en haut ? En bas. Quel luxe. Alors, hop. Vas-y, je t'en prie, entre. Voilà, je te laisse t'installer. Merci. Alors, on va regarder tes performances. Parce que bon, je pense qu'on doit discuter de ça. Oui, tout à fait. Donc, on est sur un total de une vente. J'en ai fait deux tout à l'heure. Je n'ai pas encore rentré. D'accord. Donc, on va dire... 3 ventes. Oui, tout à fait. Là, les comptes sont pas bons, là. Ben oui. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Ben, c'est toi qui voulais pas que je touche à la nourriture. Non, attends. Je vais t'expliquer. Tu es employé depuis vendredi, non ? On est bien d'accord, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Et depuis vendredi, vendredi, samedi, tu n'étais pas malade ? Non, du tout. Et tu n'as pas vendu du tout ? Non. Pourquoi ? Je t'ai accompagné aux réunions, etc. Et après, oui, je comprends. Toi, tu vois sur le chiffre, il n'y a pas de problème. Alors, je vois pas par rapport aux chiffres, mais j'ai commencé à travailler le même jour que toi, d'accord ? Sur mes chiffres, je suis à 1406€ de chiffre d'affaires brut quand même. L'Essio est à 1768$, pardon, dollars. Donc du coup, moi, ça me pose un problème, hein. Michel, je vais pas te mentir. Bienvenue dans mon auberge. Je comprends. Là, je suis partagée, je suis très très partagée. On est quand même qu'en période d'essai. Ouais. Et je t'avoue que ça ne me convient pas du tout, quoi. D'accord. Je comprends ta réaction. Parce que là, du coup, je ne vais pas te mentir, je suis un petit peu dépité, quoi. Je suis vraiment dépité quand je vois là ta fiche de ticket. Je suis
Je te le dis, je pense que je vais te passer barmaid et je vais passer Alessio manager. Je ne peux pas te garder en tant que manager au vu de tes chiffres, hein. Même de ta présence. Hein, hier, tu as préféré aller aider un ami, on était dans le rush, on a eu énormément de commandes. Et on n'était que tous les deux pour faire et les commandes et les livraisons, enfin le service. Hein. Donc c'est vraiment très compliqué là. Oui, je pauvre. Mais tu comprends qu'en tant que patronne, moi j'ai besoin d'avoir du résultat et là, je ne le vois pas. C'est, hein. C'est tout à fait logique. Hein. Y a pas de... je ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit dans le sens où tu as totalement raison. Bah oui, Ayako, j'ai du talent. Hein. Donc du coup, pour le moment, écoute, je te laisse aussi choisir si tu acceptes de devenir barmaid à la place d'Alessio. Ou si tu préfères trouver peut-être un autre lieu de travail, mais tu comprendras qu'un manager est là pour fédérer, il est là aussi pour me remplacer si je suis absente un soir, et surtout il est là également pour vendre quoi. Et ouais. Bon là je t'avoue que je suis un petit peu déçue vraiment de ton travail là. Je comprends. Très très bien. Donc écoute, je te laisse la soirée si tu veux réfléchir. D'accord. Oui, très bien. Je vais te passer pour ce soir en tant que barmaid. Hein. Et demain, si tu veux, tu me donneras ta décision, à savoir si tu souhaites rester et évoluer au sein de l'entreprise, ou si alors tu veux voguer vers d'autres horizons et pourquoi pas trouver peut-être quelque chose qui te conviendrait mieux. Oui. Je déteste, j'aime pas dire. Je vais voir ça, je vais aller un peu méditer sur tout ça. Exactement. Et puis voilà. Mais en tout cas. C'est une chose sûre que Alessio est tout à fait plus compétent que moi, je n'en doute pas. Ah bah là, on est sur quelqu'un qui est très très investi. Là, cet après-midi, il était à la pêche. Enfin, c'est vrai qu'il est, il est très investi et il fédère énormément. Il a un vrai contact clientèle qui somme toute très 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 important, hein, dans notre travail. Et vraiment, voilà, il est là, et il vend. Il est incroyable, ce garçon. Donc je suis navrée, hein. Je sais que ça peut être difficile. Alessio, oui, c'est magique, toi. Tu aimes pas, mais tu le fais super bien. Non, je n'ai aucun problème contre ça. Ça marche. Bon, bah écoute, je te remercie, et puis je te laisse prendre ta décision et me dire demain ce qu'il en est, d'accord? Ouais, pas de souci. Ça marche. Bah écoute, je te libère, il y a pas de souci, je te laisse. Très bien, je te tiens au courant. Ça marche. Je sais plus. Très bien. Une bonne soirée. Merci toi aussi. Je t'en prie. Aïe 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 aïe, Michou officiel 9. Coucou, ça va? Bienvenue à toi. Bienvenue dans mon auberge. Tu sais que iPro MX a changé de serveur ou pas? Désolé si. J'ai dit taper du poing sur la table. iPro MX a changé de serveur. Hein. Pour mettre les poings sur les yeux. Merci du follow. Après, à vrai dire, Michel accepte la décision parce que RP parlant, il a pas trop le choix. Parce qu'on est quand même là, les chiffres que j'ai dit, c'est des vrais chiffres. C'est des. J'ai sorti mon Google Sheet et puis c'est des vrais chiffres. Gérer les employés, liste des employés. Oh, mais il était déjà changé de grade. Mais. Comment ça, il y a des salaires, hein? Gérer les salaires des grades. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ça. Est-ce que ça va lui donner de l'argent? Ben, elle est sur son nouveau... Ah oui, on est d'accord, il a pas changé de serveur. C'est débile. Je comprenais pas.
Exactement, Maxime, merci beaucoup. T'es un chou d'amour. Voilà. Bonsoir. Alessio. Mais t'es perdu là. C'est un jeu de mots. Alessio. Mais j'y comprends. Oui. Est-ce que je peux te recevoir dans mon bureau, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Allez bien. Attends, est-ce que je reviens, je vous laisse, le jeu de mots, je laisse jouer là. Attends, je vais t'expliquer. Il va t'expliquer, t'inquiète. Eh Maya. Bah heureusement que je. Oui. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement ça s'écrit avec un N. Tu comprends? Bah je sais que non. Oui, normalement ça s'écrit avec un N, oui. Le mot normalement s'écrit avec un N. Bah je suis pas con quand même. Il y a un client qui a du mal en bas. Ok. Je te laisse t'asseoir. Hop, voilà, tu prends tes aises. Alors, je viens d'avoir un échange avec Michel. Moi avec le pêcheur. Pardon ? Et moi avec le pêcheur. D'accord. Alors j'ai pas trop, là j'ai pas trop le cœur à rire. Ah. Michel m'a dit que tu avais pris de l'argent dans la caisse. Quelle caisse ? Bah dans la caisse en bas. Hein ? Bah écoute, moi, apparemment tu te sers dans la caisse. Bah non, je suis à $30 sur le compte. Bah oui, enfin ça moi je ne peux pas... Il y a les caméras, tu peux surveiller. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. J'attends que tu sois franc, en fait. Bah, moi, tu peux me faire confiance, en vrai. Pourquoi je voudrais dans la caisse? Non, je déconne. Je vais pas pouvoir tenir la blague. Non, c'est juste, je viens de te passer manager. Tu es officiellement le nouveau manager de l'entreprise. D'accord. Ah. Quoi? Après, là, il y a le B, mais oui. Non, mais ça me fait plaisir en vrai. Voilà. Par contre. Comment il s'appelle? Michel, c'est ça? Michel, merci. Je lui ai laissé 24 heures pour choisir s'il veut rester dans l'entreprise ou pas. Ok. Bon, en tant que. J'ai une notification d'embauche sur le téléphone. Si tu regardes les notifications de. Taf. Où? Dans les notifications du taf, tu regardes. Tu verras. Au cas où si Michel a pas trop aimé la discussion. Ah oui. Ouais, enfin, le gars il a écrit recherché avec un R à la fin, donc. Je l'ai mis aux yeux. Ouais, lis. Alors, attends. Ah oui, ok, ouais. Alors. 1500 validé. Ok. Quantité invalide. Ah bon? 150. Ah bon? Nouveau salaire de grade. Zéro. Comment on change? Ah putain, je suis débile. Quoi? Pourquoi t'es débile? C'est bizarre. Hein. Je peux pas changer les salaires. Bah c'est con. Je peux pas changer les salaires. Bah écoute. Non. Je me disais que ça allait distribuer un peu d'argent, tu sais, à chaque fois, mais non, ça ne sert pas. Bon, c'est bon pour toi du coup? En vrai, moi, c'est tout est good, hein, tout est good, ouais. Bah, t'es nouveau manager, félicitations. Merci de me faire confiance. Hein. D'ailleurs, attends, regarde. Hop. Ouais. Attends deux secondes, je sors mon téléphone. Regarde l'affiche. La fiche de ticket. Oui. Pourquoi j'ai pas tout compris? Hop. Attendez, je change son pourcentage. Voilà. C'est bon. Normalement, sur tes tickets. Attends, je regarde. Regarde sur tes tickets, tu as ton nouveau badge hein, avec ton salaire à côté. Mais non, Ayaku, c'était une blague. Yaya. Donc, tu as ton nouveau pourcentage qui est donc de 20% désormais.
Ok, ok. Tu passes de 15 à 20% et tu as ton badge manager. Ok, nickel. Bah, c'est bon, c'est cool. Ah bah il y a le allez, go. Poissonnier qui m'appelle. Ah bah parfait. Un poissonnier, génial. Aïe, attends. Mais je crois qu'il y a Ryan. Hein. Ouais, t'inquiète, j'étais juste j'étais en train de monter en grade au bureau. Je redescends là. Oh non, il n'y a pas Ryan. Ah, Maya, ah, si. Maya, je vais récupérer mes yakitori. Ah, non, c'était des makioton, mais c'est pareil. Makioton, c'est la même chose. Il me fait rire, Maya. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Il est complètement... Je vais t'attraper, toi, après. Les ouais. Jeunes d'aujourd'hui, ils sont violents. Ah, c'est trop oui, ils sont violents. Maya, putain. C'est trop gentil. Putain, je t'ai défendu tout à l'heure. Il y a un collègue à moi, il m'a dit putain, la meuf qui tient le café, elle est aigrie, la rousse. Lui, comment ça, elle est aigrie? J'ai dit, ben non, elle est super gentille et tout. C'est qui a dit ça? D'accord. 04, Calvin. Ça marche, merci. Bonsoir, Javier. Bonsoir, Maya, comment t'allez-vous? Bonsoir, il est toujours aussi beau. Le réfé. Par contre, j'ai mon ami. C'est bonsoir, 08. S'il y a de nouveaux chats qui arrivent, il faudrait que tu fasses des références à des personnes. Eh bien, avec grand plaisir, j'en appellerai un Ayako. Ouais. Ayako. Tant que ça vous amuse, moi je vous laisse m'appeler comme ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien qu'un agent de la police m'appelle chef quand même. C'est... Non, j'ai dit que c'était le réfé. J'ai pas dit que vous êtes mon réfé, j'ai dit que vous êtes le réfé. Non, moi mon réfé c'est 01. C'est mon réfé. Tranquille, moi je suis le chef. Ok. Tranquille, vous m'appelez chef. Oui, si vous savez... Les deux, ils sont insupportables. Chef. D'accord, donc vous prétendez pour mon chef, là, c'est ça? Il y a sur votre chef, d'après vous, c'est tout. D'accord, bah, vu que... Donc, j'ai arrêté mon chef hier. Peut-être. Messieurs, bon. Je vous laisse vous chicaner. J'ai non, un employé à voir. Je ne parle pas avec lui, moi, je voulais juste te prendre à boire. Eh ben, écoute, attends, je vais voir Alessio. Attends. Si, vas-y, tranquille. Alessio, let's go, j'espère qu'il se fera pas écraser par un Oliver. Ah, tu m'étonnes. J'arrive tout de suite, hein. Oh, y a pas de problème. Il est où? Bon, il est ressorti, bon, il est au téléphone. Bah, je vais y aller en attendant. Vas-y, je t'en prie, entre. Voilà. Dis-moi. Bien alors, du coup, je ne suis pas passé par quatre chemins, car comme quand on s'est rencontrés au tout début, Maya, je te l'ai dit, avec toi, je serai toujours honnête. Oui. Je ne vais pas te mentir que je pense laisser ma place, tout simplement parce que je pense que ce sera plus bénéfique pour vous d'avoir une personne plus investie. Et je pense que, voilà, c'est... C'est le meilleur, la meilleure chose pour toi comme pour c'est moi, une... parce que moi avec mes problèmes de santé, enfin, voilà, c'est une très sage décision. Voilà. C'est une très sage décision, ouais. Sache Maya que j'ai aucun problème contre toi. Je suis désolé de t'avoir déçu, parce que bon, il y a pas de problème. C'est pas valorisant pour moi, hein, mais voilà, j'assume. Il y a pas de problème, t'inquiète pas. Il y a pas de problème. Et voilà, En tout cas, je te souhaite vraiment une très bonne continuation, sans aucun doute. Hein, je souhaite vraiment la réussite du 4 Café. Et peut-être que ça marche, merci. De temps en temps, hein, même. Oui, il n'y a pas de problème. En tant que client, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc voilà. Et voilà, je ne sais que dire. Ça marche. Eh ben, écoute, je te remercie de ta franchise, en tout cas. Et ben, puis, ben, écoute, n'hésite pas à repasser, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vais juste te laisser reposer. Ouais, je vais te laisser déposer ton badge juste ici. Très bien. Bah non, Ayako, faut pas pleurer. La clé du coffre. Merci. Et ici, la clé de la porte aussi. Oui. Tiens, juste là. Très bien. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Eh bah, ben écoute, bon. Je te souhaite une bonne route et puis prends soin de toi surtout. Merci. Et voilà. Et toi aussi, Maya, bon courage. Merci beaucoup, je t'en prie. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Eh ben voilà. Des cœurs dans le chat. Vous l'auriez pas vu, vous l'aurez pas vu beaucoup. Hein. Vous l'aurez pas vu beaucoup. Hein. Il était pas beaucoup là. Hein.
Mais bon, c'est mieux que ça parte comme ça. Au moins, on va pouvoir embaucher quelqu'un qui est peut-être plus motivé, tu vois. Donc, il faut que j'aille au bureau et que je le renvoie. Ouais. Combien ? Ah oui. Ça, alors, comment gérer les employés. Toc, liste des employés. Ah, toc, Michel Pétrole. Et voilà. Employé licencié. C'est fini. Ouais, c'est ça, la minute, ouais. Bon, ben voilà. Allô. Une page qui se tourne. Par contre, Bichette, elle va Calonge là dans peu de temps là. Je vais prendre. Ah ben ça allait sur du coup, t'inquiète. Ça allait sur. Ça va marcher. Ok, parfait. Bonjour. Ouais, il y a plus d'argent. Bonjour. Ah, il y a les poissons, il y a les poissons. Bien sûr. Alessio ? Oui. Viens voir. Oui. Il veut pas. Il veut, j'arrive. Oui. Bon, bah, du coup, la décision aura été vite prise. Il préfère partir. Ah, bah. Oh là là. No. Oh là là. T'as pas un problème, s'il te plaît. Si, il se sentait peut-être pas bien en entreprise ou quelque chose comme ça. Hein. C'est peut-être la redescente du poste. Ouais, peut-être, je sais pas. Et j'ai besoin de toi pour que tu me fasses une facture, s'il te plaît. Je dois me servir dans le frigo, j'ai la dalle et j'ai soif. Tu veux manger ? Non, non, quand même, je vais pas te demander à toi de me nourrir. Non, non, je vais payer ma propre bouffe, t'inquiète pas. Viens, Alessio. Bah non, mais attends, je vais me servir et je te dis ce que j'ai. Non, je veux pas t'entendre. Hop, hop. Je vais prendre donc. Qu'est-ce que je peux prendre ? Un yakitori au poulet. Non, une soupe de poulet. Une soupe de poulet. Un cappuccino. J'espère il va pas dire de la bouse sur le 4 café. Bon, il y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Alors, ça fait un montant total de... Attention. Un montant total de... Ah, je suis chez... Hop. Armed. Un montant total de... Oui, mais... On a dit... Un riz au poulet... Une soupe de poulet, un cappuccino, 32$. Toc. 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 Voilà. Il l'a mis sur la veste. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Un conseil, touche plus au serpent, c'est clair. Facture de 34$. Hein? 34$, une soupe de poulet. Ouais, peut-être, une soupe de poulet, du riz au poulet et un milkshake. Et un cappuccino, pardon. Touchez au serpent, vous aurez affaire à moi, c'est bon? Ah, moi je touche juste au poisson, monsieur. Poisson, si vous voulez. Autre animaux, ça dépend. Mais le serpent, touchez pas. Oh non, serpent, ça a buté. Hein. Voilà pour toi. Non, tu. Oh, cybergarage. Vous le faites encore? C'est où? Ah, oui, cybergarage dans le nord, tout au nord. C'est des pantos. Non, mais moi je veux. Non, je veux l'application, je l'ai pas. C'est l'application. J'en ai pris une. Vous allez dans un lac, vous faites C4. Après, poisson remonte tout seul à la surface. Ah oui, c'est une punto de place, ouais. C'est intéressant. C'est très bonne technique. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, je vais pas dire ça au monsieur là-bas parce que je crois qu'il aime bien les animaux. Surtout les serpents. J'ai pris 160. D'accord, après la pêche aux serpents, vous savez, chez nous en Russie, les serpents, on les remplit avec de la drogue et il n'y a personne qui va regarder à l'intérieur. Bon, j'ai acheté une voiture. C'est une technique pour passer. T'as acheté les voitures à 600 là ? Oui, parce qu'ils ont peur du serpent. Ouais, t'as payé par carte direct. Vous prenez un gros boa. T'as raison, t'as raison. Alors, oui, j'ai pris une pente boa, en noir. Oui. On aime beaucoup les boas en Russie. Bon, ben voilà.
Oui, c'est vrai, c'est beau. Parce qu'après 1100, 1200, c'est cher. Hein. Calme-toi. Ah, monsieur, calmez-vous, monsieur. Je oui, vous parle s'il vous plaît, pas de... Non, non, c'est Noé, bagarre. C'est Noé, et du coup, Noé, il s'énerve. Il s'énerve parce qu'il parle. Bon, tu viens, on va dans le nord, on va se promener. Je crois qu'il s'énerve. Tu veux pas qu'on voit avec Médé, déjà, pour les poissons. Bah, il reste longtemps ou pas, parce que j'en ai marre de rester là. Je crois que c'est bah non, Médé. Hein, je peux promener avec vous, Maya, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Médé. Bah, tu montes dans le coffre. Hein. Ouais, bah ouais, t'inquiète, je connais bien le coffre. Là. Firt. C'est quoi la Firt? Non, vraiment, faut que je me change les idées. Oh, il y a un chat, besoin, tu vois, pour voir ça, de des maquis. Moi, dis, y'a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis là. Mais merci. Pourquoi merci. Ouais, bah, la gueule de la voiture. Non, j'ai honte. Je parle pas. Mais bon, Maya, elle a pas le non, choix. Non, mais non, juste, en fait, je répète, juste, je respecte Alessio, tu comprends. Moi, c'est non, pour juste Alessio en fait, que je fais pas d'histoire. Non, non, il, juste, il se fait avec ce vide, en fait. C'est juste voilà. Pour, mais il est pas méchant. Il est les pas bonbons méchant, comme ça, à la verre, c'est les meilleurs à la pomme. Après, il y a personne qui m'attrape à l'école, camarade. Oui, non, mais faut le connaître, faut le connaître. Et de toute façon, si ça se passe mal, on le sort, de toute façon, t'inquiète. On l'a déjà sorti plusieurs fois. D'accord. Donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et puis, je pense qu'il a pas de force. Hein, ah, c'est pour lui que je m'inquiète, camarade. C'est pas pour nous. Ouais, non, non, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça. D'accord. Du coup, Maya? Oui. On passe vite fait dans le bureau en bas, on va voir au niveau des prix du poisson. Vas-y. Je vais le monsieur le vendre. Bon, Thomas, on arrive. On va juste ouais, discuter vas-y, avec vas-y. Les messieurs. Ouais, c'est ça. Comment tu me donnes l'envie? Eh ben, t'as pas... Merci. Je me suis fait un de ses stocks. Ouais, mon chéri m'a ramené deux paquets. Allez, bourreau. J'étais heureuse. Après allez-y, vous. Messieurs. C'est horrible, Yako. Eh, petit bureau, celui-là. C'est le mien. Je pense que ça va être le mien. Non, le tien, il est au premier étage. Quoi? C'est pas celui-là? Le tien, il est au premier étage. C'est celui à côté du mien. Ok, ok. Du coup. Maya, je te laisse gérer, en vrai. Alors, bah, donnez-moi un prix pour vos poissons. Et après, on discutera. Pour le thon et saumon. Seulement. Le thon et le saumon. Ouais. Alors, je vais vous proposer deux prix. Ouais, vas-y. Pour le thon, j'aimerais bien vous le vendre 7$. Et le saumon, 6$. Unité? Ah, si. Alors. 7$ et 6$? Si. J'achète. Alors peut-être je vais monter un peu les prix. Non, non, c'est bon, c'est un contrat. Une proposition est une proposition, j'achète. En fait, si je peux me permettre, j'aurais mis le saumon plus cher puisque c'est un poisson plus noble. Si, je pense aussi, c'est pour ça, je suis pas très professionnel là-dessus. Alors, je vous prends le thon, je vous le prends à 7$. Le saumon, je vous le prends à 9. C'est bon? Allez, vamos. On va faire ça alors. Eh bien, vendu. Très bien. Alors, 9 et 7. Je pense que je fais une affaire. Ouais, les ça, pubs, ça. J'en peux plus. Je vais couvrir. Alors, là, il y aurait peut-être... Alors, attends, je vais les compter. Je les pose ici parce que... Alors, vas-y, vas-y. Va voir dans le bureau à l'étage si tu peux pas prendre de l'argent, toi. Tu me rappelleras de jamais te laisser négocier. Hein. Toi, je vais regarder. Si ah, jamais merci. Tu prends 250, okay, histoire de payer monsieur. Ouais, ouais, ça marche. Ayako, calme-toi. Reste zen. Tu vois, tu respires comme ça. Allez hop, un bonbon. Tiens, fait, tu te débarrasses de ça, ça va sentir meilleur dans le taxi. Ah si, là. En plus, ils sont très frais. Et... C'est trop bon. Je suis pas très bon négociateur, bordel de merde. Oh là là, quand. J'ai remarqué, putain. Bon. Vous en avez combien, là, sur vous? Là, il y a 19 thons et 19 saumons. Oui, tu as pêché beaucoup. Oui, il a bien pêché, dis donc.
très très grand pêcheur. Et... Je crois que les 250$, ça va pas être assez. Je crois que ça va être juste. Oui, ça va être un peu juste, oui. Ah, vous avez essayé de pêcher, vous, madame ? J'ai un talent incroyable. D'accord. Bon, alors, c'est pas comme moi. Bah écoutez, vous pouvez demander... alors, je pense que tu peux remonter si t'as accès... Je pense que toi, tu peux monter, du coup. Oh, merde ! Pour le coup, ouais. Oh, y a, moi, si je commence à mettre le nez dans les bonbons, c'est fini. Mais moi, c'est pareil. C'est pareil, j'ai une putain d'addiction. Alors déjà, ça a commencé avec les langues de chat. Langue de chat, c'est terrible. Je peux me casser le ventre... Je peux me casser le ventre justement avec des langues de chat. Mais alors, mon chéri m'a ramené les ficelles acidulées là. Bop, 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 bop. Il a dit 19. Merde, mon téléphone. On va calculer comme ça, on aura le montant exact. Donc, hop, hop. 19 fois 9 plus 19 fois 7. $304. 304. Allez, je prends 350 le tout. Ce sera très bien. Non, allez. Ouais, si, je vais prendre 350. Non, je vais prendre 304. Et les affaires sont les affaires. Hein. On est d'accord ou pas? On est en retard de un mois sur les cours, je vais dire que c'est de sa faute si j'ai pas le brevet. Eh hey, mais, ouais, j'ai vu, il y a plein de gens. Ma fille avait pas de prof d'histoire en début d'année. Alors, et apparemment, la prof d'histoire sera pas là de temps en temps. J'y mets d'accord. Ouais, business is business. Dragibus, je déteste ça. Désolé, hein, Jérémy, hein, mais j'aime pas du tout les Dragibus. Alors, donc... 9 x 9, 19 x 9, ça fait 19 x 9 plus 19 x 7, ça fait $304. Bienvenue dans mon auberge. Je vous laisse contrôler, bien sûr. Alors, 171 et 133. Très bien. Je ne suis pas une voleuse. Je suis une et merci pour le follow, Elden. Eldine. Ouais, moi je suis une calculatrice aussi, il y a quoi? Bon, bah, je vous remets l'argent puisque vous n'avez pas l'air de vouloir me donner les poissons. Il y avait augmenté les prix. Ah, ça va, ah, $300 avait... en 5 minutes là, c'est beau. Hein. Ah, c'est très bien. Mais il a pêché avant. Ah, mais c'est beau. C'est salut, Nullfires. Il a pris du temps pour pêcher et là, il... en 5 minutes, bon. Alors, le temps, il vous le donne, c'est très lourd. Je vais peut-être donner ce mot à Alessio parce qu'alors, c'est madame ah ouais pue. Ça, ça ah ouais, c'est vrai, je préfère qu'il sente mauvais lui ouais, que moi. Ça y est, ça y est. Bonjour Eldine, on dit bonjour quand on arrive. Ouais, tiens le sommet, Alessio. Ouf, ah ouais. Ah, face à toi, camarade. La grosse odeur, hein. Choix. Ah oui, c'est encore pire qu'avant. Je suis obligé de prendre douche après chaque pêche parce que alors, sinon. Ah oui, je. C'est pour ça que tu te mets dans l'eau de mer. Du coup, t'as donné les tons à... Bonjour Eldine. Alors mon c'est perso, elle est gérante d'un 4 cafés par exemple. Je sais pas si tu connais, mais... Bienvenue dans mon auberge. Et merci Rebug Games Québec. Ah, Québécois, bienvenue à toi. Pardon ? Vous en prenez très beaucoup, pas de limite. De limite ? Si, concernant les poissons. Est-ce que vous avez un quota de poissons que vous achetez ou... D'accord. Non, en vrai, c'est soit nous, on y va pour aller pêcher de temps en temps, et en vrai, si on n'a pas trop le temps, mais du coup, on prendra... Si vous voulez, nous, plus on en a, mieux c'est, parce qu'on a besoin d'un stock important quand même, parce que ben, on ne sait pas ce que les gens vont acheter, si vous voulez. D'accord. D'ailleurs, on doit aller voir les poulets, putain, et on a tellement de choses à faire. La chef. Ouais, je suis la chef, ouais. Exactement. Bah du coup, Alessio, on va aller déposer tout ça, puis on va partir dans le nord, voir aussi pour les poulets. Ah oui, oui, oui. Et du coup, oui, Michel. Tout à l'heure, t'es parti au bureau chercher l'argent, là, et du coup, Médée me disait... Ah oui, c'est à moi que tu parles. Oui, c'était à toi, du coup, oui. Vas-y. Ah là 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 là, c'est pas possible, hein.
Non, je te disais, m'aider la prochaine fois s'il en attrape des plus gros. Il nous disait qu'il va nous les vendre un tout petit peu plus cher, je pense. Il n'y a pas de souci. Bah, nous, au niveau de la carte, on changera la carte. Hein, si... Oui, de toute façon, on peut modifier la carte chaque semaine. Hein. Chaque semaine, ça sera on dira. De toute façon, les clients, il faut qu'ils se disent que ce qu'il y a sur la carte, c'est en fonction de l'approvisionnement. Si on n'a pas de poisson, on ne va pas forcer, tu vois. Si. Donc, alors, après. Je vais peut-être aller pêcher pour vous ramener poisson frais pour ce soir encore. je vais voir. Ça marche. Que tu dis ? Ouais, environ une centaine. Je te dis ouais. À toi de regarder Call de la pêche pour revendre poisson. Si, tout dépend. Oui. Le mieux, c'est d'y aller quand il pleut, parce que les poissons sortent très beaucoup à la berge. Ah alors, bon S'il pleut, je vais aller pêcher très, très rapidement. Non, mais d'accord. Ça marche. De toute façon, tu me tiens au courant à chaque fois que tu en as une. J'ai envie de bouger, vous avez pas été. Vous avez pas été. Tu les stocks un peu, tu sais, et puis tu me les ramènes. Ouais, bouger, j'en ai marre du tout. Oui. Je crois que tu peux stocker au taxi. On peut les acheter en gros, avec frigo à l'intérieur. Si. Ouais, mais il faut faire attention que les autres ne volent pas aussi. Ah oui, c'est a few moments later. C'est ça le plus gros problème. Exactement, Maxime. Ouais, c'est très, en tout cas, c'est très approprié. On essaiera de continuer sur cette voie. Bien sûr, écoutez, nous, quand vous avez du poisson comme ça, ça nous arrange. Nous arrange de ouf. D'accord. Ça nous évite d'aller à la pêche. Ah oui, c'est vrai, au Québec, il est 17h36, putain. On sait que c'est des problèmes. Oui, c'est 23h, laisse tomber, 23h37, je suis au bout de ma vie. Là, on va aller voir pour le poulet, là, on va monter tout dans le nord. Oui, donc on monte au nord, voilà. Petite vente de poulet. Exactement, d'accord. On y va. Ah, si vous avez besoin de faire essence, vous pouvez passer non, à station là-bas, à 50%. Bah, apparemment, ils ont fermé, du coup, bah, c'est mort. Je elle est fermée, ouais. Ah, d'accord. Oh, ouais, regarde, ils ont fermé, Boris. Ouais. Et... Non, il y a quoi, faut... Non, non, on va aller au poulet et au cybergarage parce que le maire, il sera pas là. L'autre coup, on nous a dit, il est là à 18h. Ah, d'accord. Franchement. Ah, c'est pour ça. Attends, je dois mettre le poisson dans le frigo. Ah oui, ça, je vais pas me trimballer avec du saumon. Ouais, reste avec le saumon. Ah ouais, non, je vais le poser. J'allais partir avec le saumon comme un fou, moi. Je voulais savoir... Oh, donc, oui, encore un. Je voulais savoir c'était quoi la vision de Maya par rapport à Oliver sur Enjoy, car elle doit être frustrée qu'il soit parti sans donner de nouvelles. Alors, Maya, en fait, ouais, elle a été voilà. Très, très blessée du départ d'Oliver, en fait. Enfin, du départ, de la disparition d'Oliver, parce qu'il lui a jamais, jamais, jamais donné de nouvelles. Donc, du coup... Elle est très déçue et pour elle, c'est devenu un tocard, quoi. Si tu veux, elle a plus qu'une image de lui, tocard. Et, ça marche. Ils sont un peu bizarres, les campagnards. Ouais, carrément. Ça marche. Nullfire, il y a un truc dans ta phrase que je comprends pas. Donc, relis-la, peut-être que t'as fait une erreur. Oh non, hein, pas le téléphone. Hein. On y va, avance. Attends, deux petites secondes. Oui. Je vais porter, je vais traîner. Je vais attendre. Je vais attendre dehors. Ok, pas de soucis, rappelez-moi. Le motel. Bonjour. Bonjour, le motel. Venir me voir. Non, non, mais ouais, je suis désolée. On a une livraison encore à assurer. Prends 20 cappuccinos, faut qu'on passe au motel. 20 cappuccinos, ok. Exact. Vous avez plus rien. Si, mais là, on va fermer, monsieur. Il n'y a pas moyen d'avoir à manger, s'il vous plaît. En plus, ça serait une grosse commande. Mais je comprends que ce soit une commande, mais on a des choses à faire aussi à côté. Alessio, tu veux pas t'occuper de la commande de monsieur parce que c'est important. Si. Comment tu veux que je sois pas blasé s'il vous plaît, avec Dick, dit Milchek. Oh, mais il est là, Grisou. Désolée si cette question devient répétitive, mort de rire, mais je ne dois pas être la première à demander. Alors, non, c'est pas grave. Je comprends que tu poses la question, puisque bah, forcément, tu as dû voir la dernière vidéo d'iPro et je ne suis pas dedans. C'est vrai que Maya n'est pour l'instant plus dans le collimateur d'Oliver. Mais pour l'instant, vis-à-vis de Maya, je vais t'avouer que ce n'est pas si grave. Vraiment, c'est pas si grave parce que elle a une telle colère envers les hommes et du coup, en particulier envers Oliver, que pour l'instant, si elle le voit... Ouais, chier les bulles carrées. J'aimais bien votre relation. Ouais, elle était rigolote. Elle était très rigolote. Mais
Maya, c'est une femme affirmée, tu vois, c'est une femme énervée et visiblement, bon, ça n'a pas suffi à Oliver, tant pis. Hein. C'est pas grave, hein. Dans mon auberge. Parlons. Bienvenue à toi, Brutus, merci du follow. Pardon, excuse-moi, je bouffe en même temps. Alors attends. Hop, je te donne ça de suite. Merci. Tu gères. Voilà pour toi, chef. Bonne démonstration. Kurt ? Oui, c'est bien moi. Oui, bonsoir. Vous êtes bien le propriétaire du motel ? Vous êtes sur place actuellement? Ouais, t'inquiète, bon courage à vous. J'y repasserai un peu plus tard. D'accord, parce que je voulais vous livrer vos cappuccinos. Donc nous, on va dans le nord, vous m'envoyez un petit message quand vous êtes dans le coin. Je vais mettre du temps, c'est gentil, bah, je vais le donner pour les chats. Je suis occupé là actuellement, c'est pour ça. Ah bah parfait. Ok, ça marche, bah écoutez, si jamais on a vos cappuccinos, n'hésitez pas à passer. Pas de soucis, ça marche. Parfait alors. Si c'est pour les chats, ça me va. Allez, bonne soirée. Même dans les heures à venir. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, on se dit à demain alors. Ok, bah à demain. Bonne soirée, au revoir. Vous également, au revoir. Du coup, c'est bon, c'est bon. Alors, non, il faut reposer les cappuccinos, ça se fera que demain. Okay, j'en peux plus, bon, j'en peux plus de cette soirée. Vas-y. Ah ouais, c'était dur. C'est qu'en fait, les gens arrivent tellement. L'autre fois, je suis écœurée. Non, écœurée, quand même, écœurée. Alors, Rebug, désolé, hein, je t'aime beaucoup, hein, mais on. Il doit pas être très cultivé pour ne pas comprendre le mot écœuré. Hein. Tiens, je vais te donner un petit truc. De l'argent ? De l'argent ? Ouais. Ah oui. En général, je te donne de l'argent. Ok, je t'aurais peut-être donné des poissons, mais j'en ai pas. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, Rebug. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose dans le chat. Mais vous savez que autant pour moi, ça ne s'écrit pas comme ça. Venez, je vous donne un petit tips. Comme ça, j'étale ma science, mais ça s'écrit. Du coup, on va voir dans le nord, c'est ça. Pour moi. Exactement, M-Pont. Ouais, on va aller au poulet. On va là, aller. On va mettre la route, je le mesure. Oh, ici. Oui, bah. Il gueule en plus. Ouais, non, mais il se plante. Hein. En mode, c'est ma route, c'est pas la tienne. On va aller au poulet. On va aller au garage parce qu'on m'a dit d'aller le visiter quand même. Parce que je l'ai jamais vu, ce fameux garage. Oui. Et on essaiera de voir à la mairie, mais bon, vu l'heure qu'il est, à mon avis, le maire, Mekoui, il est pas là, hein, c'est sûr. Hein. Non, de ouf, je pense pas qu'il soit là à l'heure là. Ben, le juge, là, ou je sais plus qui, là, le monsieur là, qui était devant, l'autre coup, qui nous a dit, ouais, il est là à 18h, mais frérot, je vis, moi, à 18h, je dors, quoi. De ouf. Non, mais de toute façon, on aura l'occasion de le voir. Hein. Oh, il est gigalon, celui-là. Oh non, ils étaient deux collés, dommage. Merci pour ce... Écoute, Ayako, ravi de t'avoir aidé. Je vais faire les... Et bim, madame science merguez, le chat est pas totalement débile. Non, j'ai pas dit que vous étiez débile. Est-ce que tu m'as entendu dire, elle est débile, tenez, je vous dis ça. Non, je vous ai dit, ah, ça s'écrit pas comme ça autant pour moi. Mais je sais que beaucoup de personnes écrivent autant pour moi, autant à UTANT. Donc c'est pour ça, bah, moi non, je dis plus rien, tiens, hop. Est-ce que j'ai pas le droit d'étaler ma science? Il fait beau aujourd'hui, c'est cool.
Ouais, il est grisé un peu. Hein. Je t'écoute. Un peu grisé, hein. Enfin, je te lis. Hein. Quand on était à la pêche. Ouais, 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 il y avait un beau temps. C'est pas faux. Ça se couvre un peu. Hein. Hey, je vais jamais sur Twitter, moi. Faudrait peut-être que je regarde un peu. Hein. Ouais, c'est des annonces, des promos, tout ça, des conneries. On est des paresseux au Québec. Mais non, vous êtes pas des paresseux. Un restaurant mexicain qui va nous détrôner, ben oui. Moi, j'y crois pas. Hein. En tout cas, ils ont l'air de respirer la joie de vivre. Mais au coup de qu'ils fassent leur promo et qu'ils tombent en faillite, hein. C'est un peu. Ils ont dit note de 9,5 sur 10. Oui, mais il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de concurrence, hein. On vend pas les mêmes plats. Hein. Bah non, du tout, du tout. C'est pour ça que moi je m'inquiète pas personnellement. Actuellement, t'es Kilala, vraiment des beaux gossitos, super sympa. Ouais, ça publie quand même pas mal, hein. Ouais, ça va, ça va. Ah, attends, la carte du Tequilala. Oh, Tequila, 35$. Pina colada, 35$. Martini, ok. Jus de fruits, 25$. Tapas, 25$. Apéro, 25$. Poulet, 25$. Chips, 20$. Cacahuètes, 20$. Et eau, 10$. C'est cher, hein. C'est un chouïa cher. Il y a même un autre restaurant, je sais plus, c'est un restaurant, mais il fait que des produits à base de poulet. Et je crois qu'il y a une tarte pomme aussi. C'est 25$. C'est oh, attends, il y a eu un avis. Ah, le restaurant mexicain. Attends, il y a quelqu'un qui a mis 1 sur 10. Attends, faut que je te lise l'avis. Oh, attends. Si je passe souvent sur ton stream, ça fait beaucoup marrer, mais je comprends rien au délire. Vous faites quoi en gros? Comment ça, elle me pense? Je vais te dire que la plupart de nous raccourcit nos phrases. Oui, ça arrive. J'ai compris qu'il y a des pénuries et tout ça, mais moi, je débarque juste comme ça et je trouve ça stratosphérique. On se dit, je comprends rien de ce que tu me dis. Mais non, on n'est pas les. On a. Moi, j'ai un commerce. Mon perso, il a un commerce. Ignoble ce resto. Les Hermano, les employés sont très arrogants avec nous. Ils aimaient que 1 sur 5 étoiles. Et encore une étoile, c'est parce qu'il y a des chicas. Ah ouais, c'est le point des femmes. Mais quoi, c'est ouais, sur Twitter bah, qu'il a mis l'avis? Hayes. Hein? C'est sur Twitter qu'il a mis l'avis? Oui. Ok. Ça va bien, Phaser. Hein. J'aimerais bien qu'on demande à nos clients qui notent le resto et ça. Non, ce soir j'ai été une vraie connasse. Ouais, bah oui, Noah, il a pas été content. Hein. Non, mais Noah, il a été susceptible, mais il n'y a pas de raison de l'être, si tu veux. Il y a un moment donné, il me dit oui, j'étais le meilleur client, machin. Ah bah non, le meilleur client, c'était Antoine. Il était là tous les soirs, tout le temps. Je peux pas. Je vais pas mentir. Et il était là avant Noah. Il était là avant Noah. Il était même là quand c'était l'ancien patron. Donc, bienvenue dans mon auberge. Et bonsoir, MVX. Mais... Ouais, comment tu vas? J'ai l'impression. Un chouïa, ouais. Depuis que t'es plus manager, humour. Vas-y, bonne soirée et bonne fin de live, j'aime aller me reposer. Eh ben, repose-toi bien. Et salut Voltaire, comment tu vas? Ouais, fais attention parce que je veux pas que tu te fasses non plus arrêter, quoi. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas le permis. Bon, on va voir le cybergarage un petit peu, voir ce que ça donne. Et allez. Après, on va voir le poulet. Je crois le poulet, il est pas loin d'ici, hein. Il est dans les usines juste à côté là, sur la droite. Bah ça fait peur. Avance. J'espère qu'il est bon quand même. Je sais pas, mais si c'est là-dedans qu'ils élèvent les poulets, bonjour. Hein. Ah bah écoute. En vrai j'étais triste de partir, mais c'est ça le RP les gars. Des fois il y a des choses qui nous empêchent de jouer avec ceux qu'on apprécie. Bah oui. Bah... Là, en plus, garder quelqu'un qui rapporte pas d'argent, c'est complètement... c'est contre-productif, en fait. Ouais, tu l'as attristé à la fin. Ah bah non, mais... Bah non, mais après, comme j'ai dit, hein... Oh. Attention, doucement. Oui. Vas-y,
Ouais, c'est dangereux. Hein. Ouais, ça a l'air dangereux, ouais, tu m'étonnes. Et bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Mais je vous reconnais, vous. Oui. Alors, vous êtes venu pour les pantos? Ben, moi, j'en ai acheté une sur mon application. Ah, vous avez vu notre pub? Exactement. Oui. Elle est belle aussi, la vôtre, hein? Bah, je l'ai acheté ici aussi. Eh ben, voilà. Vous voulez voir le plus gros modèle que j'ai à vendre? Il recommence, il recommence. 7000$, je vous la ramène. 7000$, vas-y, montre-nous. Hein. Suspension sport et turbo garage drive. Allez, montre-nous. Mais monsieur, garez-vous, j'en profite pour vous passer un petit coup de chiffon, ça me perturbe votre voiture, là. Ah, je lui ai dit qu'elle était dégueulasse, il me croit pas. Ah bah oui, si vous dites. Moi, j'ai acheté une comme ça, mais noire, je crois. Ah, elle est magnifique, la noire. C'est une des plus jolies. Ah, vous êtes vendeuse, à voir. Ça se voit, hein. Bah, il faut, hein, quand on fait ce métier. Vous avez celle-là, c'est celle-là qui a 7000$, magnifique. D'ailleurs, j'ai fait votre pub, au fait, à votre patronne. Oh, c'est gentil, merci madame. C'est bien Riley votre prénom? C'est Jean et mon nom de famille c'est Riley. Ah, Jean. Oui. Ah, bah Jean, voilà, eh ben. J-I-N. Vous voyez les suspensions? Jean, sport, pardon. Je dis ça. Eh ben, j'ai dit que vous étiez une super vendeuse. Ah, elle est douce, hein. Oh, c'est vraiment gentil. Ah, je suis contente d'ailleurs, de vous avoir acheté une Panto. Bah, moi je suis contente de l'avoir acheté 600$ surtout. À 3500. Ah, oui, bah, vous croire. J'ai pas pris, je l'ai acheté. Là. Du coup, ça vous dérangerait de nous faire visiter l'intérieur? Oui, parce que du coup, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Si elle part pas, mais si elle oui, part y a pas de soucis. Hein. Semaine, je pense, je la prends. J'attends bien. Mais j'ai même pas de mochi. Hein. Elle a pas l'air de pas. Non, elle partira pas. Elle partira pas. Du coup, j'ai mis beaucoup d'investissement dedans. Bah, après, c'est normal. Hein. C'est le prix. Hein. C'est ça. Que je pense qu'il veut faire. C'est ça la voiture à 7000? Ouais, c'est celle-ci, ouais. On dirait une voiture roumaine. Tu sais, en Roumanie, ils ont les mêmes. Ah ouais. Il y a les gens qui ont 9 pouces, les suspensions sport, il y a tout dessus. Elle est plus basse que celle de normal, quoi. D'accord. Non, moi j'aime bien le modèle, il est classe. Vous pouvez fermer votre voiture, monsieur, du coup, elle est propre. Ok, ok, nickel. Merci. Ah, tu l'as fait, merci, Myron. Vous savez, je me suis pas trompé. Ouais, Myron, pas Marlon. Marlon. Bah si j'avais été Marlon, je t'aurais appelé Marlon plutôt que Myron. Et du coup, il y a possibilité de visiter le garage ou pas? Parce qu'apparemment, il oui. y a des. Non, mais j'ai jamais le stock. Non, mais tu t'es. J'aimerais bien voir l'envers. Bah oui. Tour, ah, ça me plaisait pas de le faire. Ah, hein. J'imagine, madame. Ouais, parce que moi, je veux visiter. On m'a dit, il est trop beau et tout. La patronne, elle m'a dit, il est magnifique. Bah, je vais bien, mais j'ai jamais vu. Ouais, moi, c'est quand j'ai vu la photo de la voiture, je me suis dit, mais attends. On m'a dit, t'aimes pas ça, mais tu le fais bien. Ok. 25$ la visite, mais bon, les gens sont pas friands. Ah, tu m'étonnes. Ah, on fait ce qu'on peut, payer 5$ pour une visite. Hein. Voilà, ouais, c'est beau. Oh, trop bien, regarde. Et les bah, voitures. C'est pour que les clients patientent, classe, hein. Les bornes d'arcade. Je peux jouer. C'est très beau. Je vais mettre un jeu, ouais. Ouais, eh oui. Vous attendez votre réparation, vous